Comptez-vous devenir Miss France un jour? Je peux jouer tous les rôles, hein. Ça ne me dérangerait pas. Comment passer de je suis Anne à alors j'avais écrit autre chose, mais ce qui me vient, c'est je suis la vie. Oui, on peut le dire comme ça. Et là, ta question, c'est comment passer de l'un à l'autre? Parce en que, fait, tu n'as pas besoin de passer de l'un à l'autre. Oui. Non. Ce qu'il y a, c'est que je sais bien que ce n'est pas le personnage qui doit se rendre compte. Il faut que tu parles plus fort. Je sais bien que ce n'est pas le personnage qui doit se rendre compte. Ce n'est pas oui, le personnage. Oui. Bon, le personnage s'amuse à se dire qu'il a un casque de réalité virtuelle, qu'il voit plein de choses, qu'il voit oui. Ça qui n'est pas, lui. Oui. Mais sinon, bon, la méditation, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir mes pensées, je suis embarquée chaque fois dans mes pensées, je ne sais pas si je dois être plus assidue ou... Voilà, vous avoir des petits conseils. La méditation, ça ne marche pas pour tout le monde. Vous m'entendez tous? Oui. Ça ne marche pas pour tout le monde, parce qu'on a tous des outils, j'allais dire, différents, et puis il faut suivre... l'inspiration du cœur, c'est ça. Le meilleur outil en ce qui me concerne, en tout cas, c'est ça. C'est-à-dire quand le cœur vous dit, en fait, tu vas faire de la méditation, t'en fais. Mais s'il te dit de pas en faire, t'en fais pas. Il faut passer par ailleurs. Pourquoi on se fait happer à un moment donné par, j'allais dire, par les pensées? Déjà parce qu'on les voit pas vraiment venir, en fait. Et c'est des objets. Et on est dans un monde phénoménal ici. Donc c'est un monde, j'allais dire, de séduction, d'accord? Et les objets nous séduisent constamment, donc on se fait attraper constamment. Et on a un corps, et tout se rapporte au corps aussi, aux cinq sens aussi, parce que vous avez, on paraîtrait, cinq sens, majeurs, entre guillemets. Et ces cinq sens passent leur temps, en fait, à interpréter. Donc du coup, ça chope les pensées, ça attrape les pensées, etc. Alors, ce que disent les sages depuis les millénaires, c'est, même si vous ne savez pas localiser où se trouve le cœur, je te disais tout à l'heure, revenez au cœur. Mais vous n'êtes même pas obligé d'avoir une image de ce que c'est, de ce que ça représente. Vous pensez même simplement à lui. Et ça fait le travail. D'une façon ou d'une autre. Ça pourra peut-être prendre du temps d'un individu à un autre, mais ça le fait. D'accord ? Et vous pouvez même vous focaliser sur le cœur physique. Le cœur physique, c'est la représentation de ce cœur qu'on n'arrive pas à localiser, plus vaste. Le cœur, et c'est là où ça se trouve, c'est-à-dire vous pensez déjà au cœur ici, et le cœur transcende tout le reste. Donc il va transcender vos croyances, il va transcender vos blocages, il va transcender vos incompréhensions, etc. Mais le cœur, c'est vraiment l'un des outils les plus efficaces qui existent. Voilà, sinon les sages ne parleraient pas de ça depuis des millénaires, hein. S'ils nous le disent, c'est qu'il y a une raison. D'accord ? Donc passez par le cœur, il faut passer par le cœur. On le dit, ça fait des milliers de fois qu'on le dit avec Pierre ou Dog, il y en a plein d'autres hein, qui en parlent, hein, du cœur. Hein. Ça paraît comme ça très bizarre, on ne sait pas très bien de quoi il en retourne, il n'y a pas besoin de savoir. Simplement le fait de penser au cœur, c'est suffisant. Le cœur. Le cœur, ça transcende tout. Tu parles du cœur. Ici, l'objet du satsang, c'est aussi de parler de l'écoute de soi et l'écoute de l'autre. Et par rapport à l'écoute, moi, j'aime bien utiliser la méditation justement pour voir tous ces objets phénoménaux qui envahissent tout le temps l'espace. On ne sait plus écouter parce que voilà, il y a des tas de choses qui passent par la tête. Comment est-ce que quand on est dans une discussion, moi il m'arrive encore régulièrement, ouais, j'écoute et puis pouf, ça dérape. Là. On ne suit plus le fil parce que. Il y a une pensée qui est passée, on se fait happer par la pensée, mais revenir au cœur à ce moment-là, c'est pas toujours évident. Je sais. Mais le fait d'insister aussi sur l'écoute, ça peut être aussi une saisie d'objet.
C'est là où, ça, où il peut y avoir un piège aussi. D'accord ? En croyant qu'on se met à l'écoute, d'ailleurs, qu'est-ce qui se met à l'écoute ? Ce serait alors être disponible simplement. Oui, on peut le dire, se rendre disponible. Oui, on peut éventuellement le dire comme ça. On peut éventuellement le dire comme ça. Si vous voulez être tranquille, j'allais dire, avec le personnage, l'ego, le mental, il faut que vous arriviez quelque part, c'est une façon de dire, quand il faut, c'est une façon de dire, à pacifier le mental, l'ego et le personnage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous vous mettez en méditation, quand vous vous mettez dans le fait de suivre une voie spirituelle, une sadhana, pour vous libérer et atteindre à votre vraie nature, ce qui se passe, c'est que le mental, l'ego, le personnage se sentent en danger. Ils se disent tout simplement, je vais être mis de côté. Donc il y a une espèce de terreur qui surgit, et du coup ça s'accentue, et ça devient un véritable obstacle sur le chemin. Donc il faut que vous arriviez en fait à les pacifier, c'est-à-dire à les accueillir tels qu'ils sont, c'est-à-dire que chaque aspect a un rôle à tenir. Le mental a un rôle à tenir, l'ego a un rôle à tenir, le personnage aussi, tout ça, ça, voilà. Donc déjà, dans un premier temps, c'est l'accueil de ça. L'accueil de ce qui est comme c'est. Ça, c'est la première étape. D'accord ? Et à partir de là, lorsque l'ego, le mental, le personnage, tous ces objets, parce que tout ça, c'est des objets phénoménaux, hein, j'allais dire quelque part, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas être rejetés. Ils vont se mettre au service. Automatiquement, ils sont pacifiés. Et du coup, vous n'allez plus les considérer quelque part comme des empêcheurs de tourner en rond, comme des ennemis ou autres. Ils vont vraiment se mettre au service. Il n'y a plus de problème. Moi, j'ai l'impression que quand je suis dans ce que j'ai l'impression d'être la vacuité, dans la paix. Oui. Mon souci, même s'il n'y a pas de souci, le souci c'est quand même que justement j'ai l'impression que c'est d'être comme si c'était Bouddha, et puis ça peut rester 500 ans sans bouger, comme ça. Oui. Et donc à un moment donné ça bug en fait, parce que moi j'ai l'impression que pour vivre dans cette vie humaine, il y a quand même besoin de focaliser à un moment donné sur une identité, parce que sinon tu ne sais même pas te présenter au monde, quoi. Moi, je bug encore entre les deux, quoi. Entre cet état que je... Enfin, cet état. Ce ressenti qui peut être très présent de conscience et de vacuité. Il n'y a pas le corps, il n'y a plus rien, et tout est. Oui. Mais là, je suis... là, je ne bouge plus. Oui. Ben, c'est déjà le cas, tu ne bouges plus. Et t'as pas... et à un moment donné, l'interrogation, enfin, la question qui surgit spontanément, c'est... pourquoi tu veux te présenter au monde ? Parce que non, le monde, tu es le monde. Et tu n'as pas besoin de présenter quelque chose. Il n'y a que le personnage qui peut se présenter. C'est sur un plan, je comprends ce que tu dis, sur un autre plan, ça m'énerve, parce que je me dis, bah, il y a quand même besoin de travailler, de payer son loyer, de... moi, j'ai des besoins relationnels, de vivre avec des gens. Alors, l'absolu truc, machin, quand c'est là, c'est très bien. Mais c'est toujours là. Mais vite, ça m'agace. Ouais, regarde qui c'est que ça agace. C'est ça, ah, le truc intéressant, c'est ça agace qui ? Et de toute façon, hein, quelle que soit l'approche que l'on a, il faut savoir une chose, c'est quelles que soient les histoires qu'on raconte là, celles qui sont racontées là, en amont de tout ça, il n'y a que l'absolu. Donc vous pouvez penser ce que vous voulez, croire ce que vous voulez, ça ne change rien, il n'y a que l'absolu, et c'est ce que vous êtes avant tout le reste. Avant tout le reste. Tout le reste ne sont que des mondes, entre guillemets, des univers qui sont créés à expérimenter, bien entendu, puisque c'est la conscience qui projette ça. Donc c'est OK. Donc il n'y a rien qui est rejeté là. Tout est accueilli comme tel. C'est pas un problème. Mais avant ça, vous êtes la conscience absolue, qui, elle, est non manifestée. Donc pour la conscience absolue, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas besoin de créer une présentation. Vous êtes ça avant tout. Mais ça n'empêche pas d'interagir dans un monde en tant que conscience que vous avez créé. Ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de souci. Vous restez quand même la conscience absolue, tout en jouant à avoir, entre guillemets, des corps.
des situations, des configurations de vie, ça pose aucun problème. Tout ça, c'est un tout. Passer par le cœur, peut-être là, moi, même le corps physique, mais moi j'étais toujours dans. J'avais identifié ça à se remettre dans le chakra du cœur. Toi, tu parles même pas du chakra du cœur. Non, mais si toi ça te parle plus le chakra du cœur, tu te mets dans le chakra du cœur. Parce que ça va forcément créer la connexion à ça. Ça se fait tout seul après. Tu vois, si pour toi c'est plus facile de te brancher sur le chakra du cœur, tu te branches sur le chakra du cœur. Automatiquement, ça fait écho. C'est pour ça qu'on dit souvent, il n'y a pas d'effort à faire. C'est pas un faire, c'est pas un vouloir. Ça se fait tout seul en fait. Mais des fois, il y a besoin d'un espèce de petit parcours comme ça pour pouvoir y parvenir plus facilement, plus aisément. Et après, on lâche, ça se fait tout seul. En fait, il faut suivre ce que le cœur vous dit de suivre. Essayez pas de rajouter quoi que ce soit autour, c'est beaucoup plus simple que ça. Mais moi, quand c'est la paix, le cœur, ça ne dit rien. Eh bien, c'est la paix. Parfait. C'est la même chose. C'est parfait. Mais toi, si c'est la paix qui te parle, c'est parfait, c'est la paix. Pour d'autres, ça va être plutôt, ça va s'appeler l'amour. Pour d'autres, la joie. Pour d'autres, autre chose. Peu importe. C'est pareil. C'est la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je suis dans le cœur et la paix, il y a des noms pour rien, il y a juste la paix. Et c'est parfait. Il n'y a que la paix. Mais comment tu veux vivre en tant qu'humain? Il faut quand même aller aux toilettes. Mais, là, tu vis quand même en tant qu'humain. Regarde, tu vas quand même aux toilettes. T'as vu, ça empêche. Mais alors, je sors. Ça empêche rien. Ça me demande quand même de je reviens plus dans le identifié. Non. Tu peux rester qui tu es. Et ça, tu sais, c'est comme observer sa création, quoi, tu vois. Tout ça, c'est ta création. Ça ne t'empêche pas d'interagir au travers de tout ça, puisque tu composes tout ça en tant qu'absolu. Ça ne change rien. Ça ne change strictement rien. Tu as l'impression que ça change quelque chose. Ce qui te fait croire qu'il y a une impression, ou une séparation quelque part, ou deux, c'est-à-dire le fait de vouloir revenir et par moment de ne pas revenir, c'est simplement à un moment donné l'ego qui construit des séparations, des contours autour des choses. Mais sinon, non, ce n'est pas le cas. L'absolu peut jouer avec sa création sans problème. Et oui. En vérité, ça ne pose pas de problème. Et tu peux quand même avoir interagir, avoir des relations, rencontrer du monde, parler, faire plein. Ça ne change rien. À partir du moment où tu restes complètement consciente de qui tu es, et c'est le cas, c'est là, c'est omniprésent. Ça ne peut pas te quitter. Tout en faisant ce qu'il y a à faire au quotidien, tout et n'importe quoi, il n'y a pas de problème, mais en même temps, tu ne peux pas t'empêcher d'être, tu es, avant toute chose, tu es. Comment est-ce qu'on conscientise une croyance? Alors ça, ce n'est pas toujours évident, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, parce que c'est un petit peu le remède, j'allais dire, pas forcément absolu, mais assez général, il faut passer par le cœur, parce que le cœur, justement, permet le discernement de ça. Quand vous revenez au cœur, le cœur va vous dire à un moment donné, ah, là, ça, c'est une croyance. Or, si vous êtes dans un autre, des fois, un état quotidien comme ça, j'allais dire, vous partez au boulot, tout ça, vous ne pensez pas forcément à ces choses-là. Mais le cœur, lui, dès que vous vous mettez dessus, il vous libère, en fait, de tout ça, il vous libère des croyances. Et il vous amène des explications et des solutions vraiment... C'est instantané. Il faut vraiment revenir au cœur. Même si ça vous paraît un peu... Des fois, le cœur, c'est là, on parle du cœur, mais qu'est-ce que ça veut dire, le cœur? On aimerait bien le localiser, on aimerait savoir de quoi il en retourne. C'est une entité, c'est quoi? C'est un principe? C'est peut-être tout ça à la fois et rien de tout ça. Mais simplement, d'y penser. À force d'y penser, tout ça, ça se met en place. Vraiment. Et après, vous vous apercevrez que le cœur a toujours été là, en fait. Il n'a jamais été absent. Il est toujours omniprésent. Et lui, il arrive à vous sortir, mais vraiment, des impasses les plus terribles qui soient. Le cœur, ce n'est pas un concept, hein.
Ça peut l'être à partir du moment où vous posez dessus un... Bon, ça fait que vous construisez dessus un objet. C'est-à-dire, si vous le construisez en tant qu'objet, oui, ça le devient. Si vous pensez simplement au cœur, sans rien rajouter autour, sans commentaire, là, ça ne l'est pas. Là, vous avez moins de risque de tomber dans le phénomène concept-objet, effectivement. C'est, tu vois, c'est là la nuance. C'est un peu l'objet de la méditation, ça, de revenir au cœur. Il n'y a plus un espace sans pensée. Comme tu viens de dire, on construit rien. Alors, juste. Je vais simplement rajouter une petite nuance, parce que le coup de l'espace sans pensée, l'espace déjà est un objet. Donc là, il y a vigilance à avoir. Par contre, si vous vous amusez à observer entre deux pensées, s'il y a des pensées, là, il n'y en a pas. Mais ne le qualifiez pas d'espace. C'est tout le temps revenir à ça qui compte, alors. Oui, bien sûr. Oui, mais vous y êtes déjà. Et c'est arrivé en fait à prendre conscience que vous êtes déjà là. Parce que sinon, forcément, ce qui va se passer, c'est que le mental va vous dire, là, tu vas devoir faire des efforts pour y parvenir. Mais c'est faux. Vous ne faites pas d'efforts pour parvenir à être, puisque c'est déjà votre nature, être. Donc, il n'y a pas d'effort à fournir. C'est ce que vous êtes déjà. Mais ça paraît tellement simple que le mental, ça, il ne peut pas l'entendre. L'ego, tout ça, ils ne peuvent pas entendre ça. Il va dire, ah ben non, il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu construises ça, il faut que tu sois méritant aussi. Et tu as le droit ou tu n'as pas le droit d'être? Parce que c'est tout un bazar. Hein. Parce qu'en écoutant, j'ai vécu deux expériences d'ouverture de cœur assez fortes en 2012 puis en 2015. Et c'est là que ma recherche vers la spiritualité a démarré, à tout niveau différent. Et en fait, c'est comme si j'ai recherché à nouveau cet état, parce que l'ouverture de cœur était tellement forte, le goût, c'était le goût de l'amour. Mais je n'ai jamais retrouvé, du coup. Tu ne peux pas le retrouver. Et ce qui est bizarre, c'est que c'était face à des personnes. Face à une personne, et puis la deuxième fois, face à une moine. Oui. Et ça a été automatique. Je ne comprenais pas. J'étais connectée à tout, il n'y a rien en même temps. Je n'étais plus rien. C'était vraiment des moments très, très forts. Et depuis, plus rien. Et tu ne pourras pas, en essayant de faire tous les efforts que tu veux, le retrouver, puisque, comme tu as pu le remarquer, ça s'est manifesté spontanément. Ouais. Ça veut dire que tu ne le cherchais pas, tu n'étais pas en train de penser que ça allait arriver. Mm-hmm. Ben voilà. Et en fait, c'est ça. Et si vous essayez de mettre tout en place pour essayer de retrouver ça, vous n'y arriverez pas. On ne peut pas le retrouver. Le goût de être, c'est tout seul, c'est-à-dire il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de faire, il n'y a pas de vouloir. Il n'y a aucune volonté derrière ça. Mais pourquoi il n'y a aucune volonté derrière ça? Parce qu'en vérité, il n'y a personne. Et oui, donc ce n'est pas par un effort que tu peux retrouver ça. C'est impossible. Il faut laisser faire. Voilà. La vie t'a donné un petit échantillon, tu vois, deux fois, deux ou trois fois. Si ça doit revenir, ça reviendra. Mais je comprends le fait que c'était tellement bon, tellement puissant, tellement intense, on veuille absolument retrouver ça, parce que quand on vit ça à ce moment-là, peu importe le temps que ça dure, ben c'est comme si on était libéré de tout, en fait. On est totalement libre. On ne dépend de plus rien. Il n'y a plus rien qui peut nous contrôler. Et on est. Alors, ce n'est pas que tu ne l'es plus, en vérité, tu l'es toujours, sauf qu'à un moment donné, le mental a réussi à s'introduire au niveau de l'expérience pour faire croire qu'il y avait quelque chose qui avait changé, que tu n'y étais plus, alors que tu y es toujours. C'est ça qui est drôle en vérité. En fait, tu y es toujours. Et je le répète, vous ne pouvez pas ne pas être. C'est impossible. Et même intérieurement, quand on s'amuse à se dire « Ah ben, je ne suis pas », il y a quelque chose à l'intérieur qui dit « Ben, si, je suis ». Ça n'arrive pas, quoi. C'est compliqué. Ça rentre en dualité. Voilà. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Mais par contre, tu ne le retrouveras jamais par des efforts ou quoi que ce soit. Ouais. C'est un peu comme s'il y avait un stress qui était généré par après. Il y a une sorte de paroi, et alors ça distancie. Forcément, ça éloigne, c'est automatique, puisque ça vient spontanément. Et c'est même frustrant, parce que j'ai l'impression, comme je sais que j'ai créé la réalité qui est autour de moi, j'ai l'impression que j'ai même créé de la souffrance. Bien sûr. Parce que je me suis tellement éloignée en cherchant, qu'en fait j'ai généré de la souffrance, presque pour goûter. Ben oui, c'est fait. Ben justement, c'est là où je voulais en venir. En fait, la conscience que tu es, la conscience absolue que tu es, elle te fait vivre tout ça aussi en même temps pour que tu te rendes compte que ce n'est pas
en mettant en place des scénarios que tu peux retrouver ta vraie nature, puisque tu es déjà cette vraie nature. Donc, il n'y a rien à faire, en fait. Il n'y a vraiment rien à faire. Capacifier. Mais il y a quand même à voir qui, enfin, tout ce qu'on n'est pas, toutes les croyances, ou les émotions alors, accueillies. Alors, je dirais oui, quelque part. Et en même temps, voir ce qu'on n'est pas, j'entends quand tu le dis comme ça, et c'est très juste, on n'est pas les illusions, on n'est pas les croyances, on n'est pas... OK. Mais en même temps, puisque tu es la conscience absolue, tu es tout. Donc, même l'illusion, la Maya, tu l'es aussi. Ce jeu de voile d'opacité qui recouvre l'expérience directe, d'accord, c'est aussi ce que tu as mis en place pour mieux dévoiler qui tu es, etc. Donc, en fait, tu es tout. Donc, même ça, tu l'es. Même ce que tu crois ne pas être, tu l'es. Mais en tant qu'absolu. En tant qu'absolu. Alors, si c'est toujours identifié, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, c'est là, la question, elle est là. Si c'est identifié, c'est voir où se trouve... est-ce qu'il y a une vraie croyance qui croit ça? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui croit ça? On m'a dit qu'il y avait la croyance de, qu'il y a beaucoup, enfin, que la racine n'est pas tombée parce que je crois que le monde est dangereux ou que la vie est menaçante. Ouais. Et du coup, C'est pareil, là, il faut aller faire un tour dans le cœur. Hein. Parce que quand tu te places dans le cœur, tu vas bien voir qu'il n'y a rien de menaçant. Hein. Quand tu es dans le cœur, il n'y a rien de menaçant. Oui, il n'y a rien de menaçant. Et mais c'est vraiment... parce que c'est l'absolu, ce n'est pas la vie relative. Et ben, la vie relative, c'est quoi? C'est de l'absolu. Quand tu enlèves l'apparence de l'objet, qu'est-ce qui reste? Oui, il reste l'absolu. Ben donc, il n'y a que l'absolu. C'est le mental hein, qui vous raconte tout un tas de salades. Oui, mais la vie, ici, elle est quand même dangereuse. Enfin, la vie relative, si on n'a pas d'argent... C'est pas grave, c'est ta création. C'est toi qui as créé tout ça, en tant qu'absolu. Eh ouais, il faut revenir à l'absolu. Il n'y a que ça. Après, on peut jouer avec tout ça, ce n'est pas un problème. C'est simple. Hein. On n'est pas créé en tant qu'absolu, on est créé en tant qu'humain. Non. On n'est pas créé en tant qu'absolu, oui, ça c'est vrai, puisque tu es déjà l'absolu. Et tu n'es pas créé en tant qu'humain. Il y a simplement un objet humain par lequel tu vas passer pour expérimenter en tant que conscience absolue certaines choses en tant qu'objet, quoi, à travers l'objet. Là, oui, il semblerait qu'il y ait la création d'un humain. Il semblerait qu'il y ait la création d'un humain. Si tu reviens à l'absolu, évidemment, tu ne vois plus l'humain. Tu verras l'objet humain, qui est accueilli d'ailleurs, qui est accueilli comme tel. On n'est pas dans le déni en se disant « Ah ben, il n'y a pas d'objet. » C'est OK qu'il y ait des objets. C'est OK qu'il y ait des objets humains, qui est objet corps et tout ça. Mais ça reste un objet. C'est un objet. On l'expérimente. On joue avec. Et à un moment donné, on dévoile la vraie nature qui est cachée derrière. C'est-à-dire en amont. Qu'est-ce qui est en amont? On revient toujours au même truc, l'absolu. Il n'y a que l'absolu. Après, vous pouvez l'appeler autrement. Hein. Moi, je suis quand même perdu. De quoi? Je suis quand même perdu, moi, en faisant la tente. On descend quand même ici, dans un corps. Donc, on doit, notre passage, on doit quand même le faire. Alors, il y a quelqu'un qui m'explique ici. On va t'expliquer. On va t'expliquer. Il y a effectivement, il y a dans le monde manifesté, dans le monde manifesté que tu connais, d'accord, avec tous les objets, tous les corps différents. Il y a une, ce qu'on appelle une individualisation. T'as vu, chacun est différent. Et il y a aussi une individualisation d'âme, c'est-à-dire qu'il y a une âme qui est rattachée à un corps spécifique, d'accord, à une biologie spécifique. Et, hein, tu ressembles pas à ton voisin, etc., etc. On est d'accord, jusque là ça va. Ok. Ça, c'est simplement la j'allais dire la partie manifester, ça c'est vraiment une partie infime hein, de ce que tu es vraiment, mais c'est ok, on fait l'expérience, c'est-à-dire que tu vas passer d'une existence à une autre, d'accord, tu vas t'incorporer dans un corps, puis quand tu auras passé, j'allais dire, tout ce cycle de vie, tu vas entre guillemets te décorporer, jusque-là, bon, voilà, passer à un autre corps, etc. Alors, ça c'est dans la partie... j'allais dire phénoménal, c'est-à-dire tu apprends à chaque fois, c'est-à-dire ton âme apprend. Mais ça, c'est, je le redis, c'est une partie infime de qui tu es. Ça, c'est qu'une partie infime. En vérité, tu es plus vaste que ça. Et dans les textes sacrés, qui sont très anciens, entre autres indiens, mais pas que indiens, il est dit qu'à un moment donné, lorsque tu auras, on va dire, tout conscientisé, tout compris, d'accord, donc quand tu auras
ces incarnations. Tu n'auras plus besoin de t'incarner. À partir de là, tu n'as plus besoin de corps physique. Même l'âme, en fait, c'est pas qu'elle se dissout, elle s'homogénéise avec le tout. Et du coup, tu retrouves ta vraie nature. Et ta vraie nature, elle est, je vais le dire comme ça, divine. C'est-à-dire que, à la base, c'est-à-dire avant le corps, avant l'âme, il y a Dieu que tu es. Tu n'es pas séparé de Dieu. Vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous êtes tous Dieu, voilà. Dans sa totalité. Voilà, ça veut dire que vous n'êtes pas une part de Dieu, vous n'êtes pas une étincelle divine, vous êtes le divin dans sa totalité. Ce n'est pas du tout la même chose. Et pour parler un peu plus clairement, il n'y a pas Dieu là-bas et toi ici. Là, c'est pas ça, Dieu à distance. C'est ça, nous, c'est nous les humains qui avons créé ça. Là, c'est pas les humains qui ont créé ça. C'est Dieu que tu es qui a créé ça. C'est toi, Dieu qui Dieu que tu es avant tout ça, qui a créé tout ça. C'est toi qui a créé tout ça. Parce que tu es le divin en premier. En premier, tu es le divin. Et après, tu crées des mondes, des choses, des âmes, des corps physiques différents, etc. pour expérimenter. Ça fait partie du jeu. Alors, c'est la bonne question. Ça, c'est pour expliquer dans le monde phénoménal, parce que comme vous vous sentiez un peu perdu tout à l'heure, donc j'essaie d'y aller doucement, mais en même temps, tu vois, ça amène les vraies questions. Effectivement, si on revient à l'absolu que vous êtes, donc avant l'incarnation, donc avant la construction d'un âme, avant l'incarnation de l'âme, etc., vous êtes le divin, et le divin n'a pas besoin effectivement d'expérimenter quoi que ce soit, puisqu'il est avant toute chose. Ben oui, voilà, c'est ça. D'accord ? Donc là, maintenant, on revient à ça. Voilà, on refait le tour, tu vois, la boucle est bouclée. Et c'est vrai qu'avant toute chose, vous êtes l'absolu, vous êtes Dieu, vous êtes le divin, peu importe le terme que vous mettez. Le soi, comme disent les Indiens, vous êtes le soi. Voilà. Et du coup, à partir de là, si vous êtes le soi, vous n'avez plus besoin, effectivement, mais il faut en être conscient. Il faut que tu sois conscient de ça. Si tu es pleinement conscient de ça et que tu le vis pleinement, et effectivement, quelque part, ça ne veut plus rien dire l'incarnation. Ça ne veut plus rien dire l'expérimentation. Quelque part, parce que tu es le divin, tu n'as pas besoin d'expérimenter. Mais justement, t'es parfait. C'est bien, alors pourquoi est-ce qu'il va expérimenter ? Lui, en vérité, il n'a pas besoin d'expérimenter. C'est un jeu, en fait, tout ça. C'est un jeu pour comprendre, justement, que tout est absolu. Mais du coup, des fois, ça passe par cette création, par cette individualisation. Tout ça, c'est un jeu. Dans les textes indiens, par exemple, on appelle ça les lilas du Seigneur, c'est-à-dire les jeux divins. C'est une façon de le nommer. Hein. Ouais. Okay. Mais l'absolu, oui, et lui, effectivement, il a besoin de rien expérimenter. Ah, en fait, Dieu aime expérimenter. Alors, on ne va pas dire qu'il aime expérimenter, c'est qu'il joue à expérimenter, si tu veux. On peut le dire comme ça. Ouais. C'est pas qu'il aime, parce qu'il n'en retire rien, il est parfait. Ah, ouais. Il est déjà parfait. Mais dans le jeu du monde phénoménal, ça se joue, entre autres, comme ça. C'est un scénario, si Dieu. Il y en a plein de scénarios possibles. Voilà. Mais effectivement, Dieu n'a pas besoin de s'expérimenter lui-même, il est parfait. Je dis Dieu, mais je pourrais l'appeler autrement. Il y a quelque temps, j'ai commencé la lecture du cours en miracle. Ouais. C'était très complexe, je veux dire, mais je commence à le voir d'une autre façon, parce que Pierre et toi, vous parlez de non-dualité, donc ouais. C'est ce qui est le propos du livre. Ouais. Et dans ce cours, ils mettent fort l'accent sur le pardon, donc ouais. Comme changement de perception, donc, effectivement, dire que la Maya, effectivement, tu en as parlé tantôt, ouais. Mais changer notre perception pour enlever la culpabilité inconsciente. Ouais. Alors, tu as parlé tantôt de l'ego. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de en quoi il y a une culpabilité inconsciente, en quoi le pardon ou le non-jugement ou l'observation, enfin voilà, comment cela est relié ? Parce que là, il parle du monde que nous vivons ici, oui. Le monde phénoménal, comme pas créé par Dieu. Oui, mais ce monde, il est quand même créé par l'absolu. Voilà. Mais donc, voilà. En vérité, il existe que. En fait, ce monde n'existe et il est tangible que parce que l'absolu le permet. D'accord ? Oui.
Et pourquoi et aussi parce que les formes, vous voyez, quand tu vois les formes comme ça, tu as vu, elles ne se disloquent pas, les formes. Parce que dans les, là-dedans, je veux dire, dans cette manifestation-là, entre guillemets, il y a quelque chose qui permet que les formes restent cohérentes, etc. etc. Alors, dans l'absolu, il n'y a pas de culpabilité. Hein. Et il n'y a pas besoin non plus de pardon. Mais par contre, dans la manifestation, vu que les individus passent par tout un tas de scénarios d'incarnation possibles, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la colère, il peut y aller, on peut être envieux, on peut être haineux, on peut faire plein de choses. Donc du coup, à un moment donné, on passe par des espèces de sentiments, des émotions, des choses que l'on croit ne pas avoir réglées. Donc on commence à culpabiliser, c'est-à-dire qu'on aurait pu mieux faire, etc. Ça, c'est vraiment uniquement dans le monde phénoménal que ça se passe. D'accord ? Donc, alors en général, les thérapeutes vont aider les gens justement à régler sur ce monde-là et dans certaines, j'allais dire, certaines dimensions un peu plus subtiles, certaines dimensions énergétiques, à enlever, j'allais dire, quelque part, cette culpabilité, c'est-à-dire ça a pris forme quelque part, ça s'est cristallisé sous une certaine forme de culpabilité, sous une forme énergétique, une forme de pensée, une forme de ceci, une forme de cela, bref. Et c'est simplement à partir du fait de, j'allais dire, de le voir, c'est-à-dire de voir comment ça se fait que c'est là, pourquoi c'est là, quand est-ce que c'est apparu, pourquoi ça a pris cette forme, à quoi c'est relié, etc. Donc généralement, c'est les thérapeutes qui vont aider à vraiment dénouer tout ça, parce que voilà, c'est leur approche. Mais j'insiste, je reviens là-dessus, si vous revenez directement, comme le font les Indiens d'ailleurs, parce que les Indiens, ils ne vont pratiquement pas consulter, je vais dire, de thérapeutes. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas consulter de thérapeutes, attention, il y a des thérapeutes extraordinaires, hein, hyper efficaces, etc. Simplement que quand on revient directement à la source, donc à l'absolu, au soi, il n'y a plus de culpabilité. Parce que ça, c'est un phénomène, donc c'est encore un objet qui se manifeste à travers, j'allais dire, quelque part, une saisie dans le monde phénoménal. Si vous restez dans le cœur, ça vous connecte directement, j'allais dire, à l'absolu que vous êtes, c'est quelque chose qui va se régler tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin de pardonner quoi que ce soit, ça se fait tout seul, et la culpabilité, c'est comme si qu'elle avait même, à un moment donné, bon, elle va peut-être apparaître, et tout de suite, elle va être, en fait, elle va se dissoudre. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Vous allez le reconnaître comme des objets. Ok. Parce que effectivement, je me rappelle une parole qui ouais. dit, en fait, vous n'avez pas besoin de chercher l'amour, mais enlever les obstacles que vous mettez à l'amour. Exactement. Et donc là, tu parles de dissoudre, c'est la même chose. Exactement, c'est la même chose. Mais pour ça, des fois, il faut avoir une démarche. Avec le cœur, avec le oui. Cœur, oui, parce que le cœur, en fait, il a. Vous connaissez le proverbe qui dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ça signifie que le cœur n'a rien à voir avec tout le mécanisme, j'allais dire, égotique, de pensée, etc. Ça n'a rien à voir. Il agit seul, spontanément, libre. C'est pour ça que quand vous passez par lui, ça vous permet vraiment de transcender beaucoup de choses. Le cœur vous permet de transcender beaucoup de choses. C'est vraiment un outil, quoi, très, très efficace. Et je le redis, si les enseignants, depuis des millénaires, donnent cet exemple-là régulièrement, c'est qu'il y a une raison. C'est que là-dedans, il y a vraiment un truc. Il faut passer par là. Et ça vous permettra de lever tous les obstacles. Mais vraiment. Et par contre, il faut le faire d'une façon entière, je veux dire authentique, vraie, sincère. Si vous le faites à moitié, ça fonctionnera à moitié, quoi, c'est évident. Et donc finalement, c'est suivre le cœur, c'est aussi l'inspiration. Alors exactement. Qu'il vient, c'est ça, exactement. Spontané. C'est, oui. Exactement. C'est spontané. Le cœur, c'est spontané. Parce que vous, des fois, vous avez un élan du cœur. Vous ne savez pas que 2 heures avant, vous allez avoir cet élan du cœur, 2 heures après. Hein. Vous ne le savez pas, d'un seul coup, il vous tombe dessus. C'est comme quand vous tombez, par exemple, en amour pour un être. Vous ne savez pas avant que vous allez obligatoirement tomber. Ben, ça se fait spontanément. Quoi. Et le cœur, c'est effectivement ça. Une espèce d'inspiration. Voilà. Et quelle différence y a-t-il entre l'âme et le cœur ? C'est relié. C'est relié. Mais l'âme, c'est un peu le... C'est le lien entre le personnage et l'absolu. Alors voilà, justement, c'est effectivement un lien, un médium en fait, entre le monde phénoménal, donc le monde manifesté, enfin, comme on le côtoie au quotidien, et cet absolu que nous sommes. C'est comme un intermédiaire entre les deux. Et évidemment, dans l'absolu, il n'y a même pas d'intermédiaire. Hein. Il n'y a pas besoin, puisque tout ne fait qu'un. Mais on va le dire comme ça pour essayer de... Voilà. Et le cœur, c'est l'absolu. Tout est l'absolu, de toute manière. Bah oui, tout est l'absolu.
Oui, en fait, vous utilisez beaucoup le mot absolu. Moi, ouais. Je ne comprends pas bien. Oui, bon, on pourrait le dire autrement. Si tu veux. Je l'ai jamais entendu aussi souvent. Si tu veux, tu peux le dire Dieu, le soi, Dieu, tu l'appelles comme tu veux. La conscience, la présence, si tu veux. Si ça te parle plus, voilà. Bon, c'est un peu pareil, tu sais, c'est une question de vocabulaire. Ouais, voilà. Mais si ça te parle mieux la présence, on peut dire présence. Conscience, peut-être aussi. Voilà, bah, ouais. C'est la même chose. Tu as dit à un moment donné, enfin, par rapport à la dame, il ne faut pas chercher à, revenir à des expériences qu'on a vécues dans les trous de cœur. Mais est-ce que intensifier en conscience, je vais dire volontaire, oui. Le plus souvent possible dans le cœur la journée, oui. Ça fait un truc où de toute façon on s'en fout, ça se réalisera, enfin ça se montrera quand ça. Parce que moi ça demande des efforts. Ben oui, oui, non, mais je comprends. Après, ça dépend de l'élan justement que tu as. Si l'élan du cœur, c'est d'accentuer une pratique, par exemple, pour pouvoir, j'allais dire, vivre consciemment le cœur et que ça soit pérenne, j'allais dire, voilà, tout le temps, pourquoi pas. Après, effectivement, les sages vont te dire qu'il n'y a pas besoin de, y a besoin de rien faire pour être, parce que tu es déjà. Voilà. Je veux dire, la conscience, elle n'a pas besoin d'être, de faire quoi que ce soit, elle est la conscience. Tu avais dit il y a quelques années ici à Liège, voilà. Je ne sais plus le début de la phrase, mais c'est, tu sais qu'il y avait trois voies. Oui. Tu avais dit la méditation, la sexualité sacrée, et encore trois voies. Il y en a plus encore, hein. Il y en a plein des voies. On peut emprunter plein de voies, ça dépend de l'élan qu'on a. Ça dépend de l'élan qu'on a. Il faut suivre son inspiration. On peut dire dans l'absolu, rien n'a jamais été expérimenté. Exactement. Ben oui, puisque tu es justement cette présence totale, cette conscience absolue. Donc forcément, si tu es ça, en fait, il n'y a rien qui s'expérimente. Tout est déjà comme ça. C'est déjà, c'est. Ben oui, ben, en tout cas, c'est ce que disent les sages. Hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui, on n'a rien inventé. Ils le disent depuis des millénaires. Hein. Mais bon, il y a tellement de tout un tas de choses qui se greffent autour. Effectivement, on a l'impression des fois que ce n'est pas le cas. Il y a cette énorme, enfin, il y a toujours cette temporalité qui, ouais. Qui fait que tu parlais de la culpabilité. Ouais. Parce qu'on se rappelle d'un truc qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû faire. Ouais. Donc, c'est une pensée, puisque oui. Là maintenant, ben, on s'en fout. Oui. Mais si on culpabilise, c'est parce que justement, voilà, on a cette notion de ouais. Temps, enfin, on a ce concept de temps ouais. Qui nous pourrit un peu la vie. Quand même. Ouais. Ben, c'est. Le temps, ça fait partie du monde phénoménal. Quand vous vivez des expériences d'éveil, de réalisation, vous n'êtes pas dans le temps. Vous n'êtes pas dans le temps. Mmh. Voilà, on est d'accord. Mais toutes les personnes qui témoignent de ça, elles le disent. Il n'y avait pas de temps, quoi. Et dès qu'à un moment donné, on a l'impression de ne plus y être dans cette expérience-là, d'éveil, c'est que le mental, à un moment donné, s'est introduit dans l'expérience ou a essayé de s'introduire, d'accord. Et du coup, il a ramené une saisie de la temporalité. Il ramène ça au temps. Alors que vivre cette réalisation, c'est hors du temps. Ça n'a rien à voir avec le temps. Mais tu disais tout à l'heure, il n'y a rien à faire. Oui. Mais alors moi, donc, j'ai eu aussi une expérience, on en a parlé oui. Une semaine, comme ça. Et j'ai eu ça après avoir pratiqué pendant une période quand même assez longue, oui. 6 mois. Oui. C'est pas la pluie. Bah. Intensément ? Ouais, ben là, 4h du matin. Ouais, ouais, ok, donc t'as suivi une sadhana, quoi. C'est ça. Okay. Et en fait, dans cette pratique, donc, il y avait le fait de libérer la colonne vertébrale de certaines crispations, oui. Mais il y avait aussi le fait d'accueillir oui. Les émotions avec le cœur. Bien sûr. Et quand je sentais que ben, il n'y avait pas trop d'amour, j'allais chercher un souvenir qui me ramenait le sentiment oui. D'amour oui. Pour venir là. Oui, oui. Et donc, pour moi, oui. Là, actuellement, la croyance, c'est qu'en fait, en allant rechercher des souvenirs d'un vécu oui. Où on a ressenti l'amour pleinement, oui. Mais vraiment dans la vie phénoménale. Hein, donc, oui, moi, je suis maman, donc pour moi, c'est bien facile sûr. À ce niveau-là. Bien sûr. J'ai réussi à le partager avec d'autres mamans et j'ai vu que ça marchait vraiment bah très, très bien. Oui. Et donc, pour moi, j'ai cette croyance vraiment que si je continue à pratiquer ça quotidiennement, oui. Donc accueillir tout ce qui va, que ce soit les crispations, oui. Les oui.
croyance, enfin, tout ce qui se manifeste réellement et qui m'empêche de savourer la présence, c'est qu'à un moment, je vais arriver à complètement ne plus que être cela. Oui. Ce qui est quand même vraiment bizarre, c'est que j'ai eu deux expériences comme ça assez longues. Oui. Mais à chaque fois que je veux tester, voir si ça tient, ça s'effondre complètement. Ah ben oui. Et donc je ne sais pas, donc je continue donc la pratique en méditant et en réouvrant et en accueillant et tout. Mais il y a un moment où ça va complètement, complètement se dissoudre. Bien sûr. Et donc quand tu disais tout à l'heure, il n'y a rien à faire, j'ai quand même l'impression que si on favorise notre temps à ressentir en fait plus d'amour que de colère, que de haine, que ces sentiments en fait qui nous rendent pas bien. Et à un moment, en fait, par habitude, ça va complètement se poser et rester. Et le truc habitude qui est bien objet. Mais j'entends très bien. Des fois, on passe par des espèces de détournements. Cette technique, cette méthode que tu emploies, tant qu'elle fonctionne, c'est OK. Mais elle devra tomber aussi à un moment donné. Elle ne pourra pas rester puisque ça devient un objet. Ouais. C'est obligé que tous les objets tombent. Ouais. Pour être, il n'y a pas besoin d'objets. Mais en fait, elle est tombée quand c'est vraiment manifesté pendant 3 semaines. Mais comme tu dis, il y a eu une peur. Mais oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et je n'étais pas prête à faire. Et là, il y a eu une saisie à nouveau. Ouais. Mais ça me fait plein de gens qui sont sur le chemin, ce truc-là. Mais ça finira, c'est comme ça a déjà été conscientisé. Ouais. À un moment donné, ça tombera forcément. C'est obligé. Plus facile parce que maintenant j'ai un chemin rapide quand je veux. Voilà, enfin, c'est ça. Enfin, ben oui, parce que tu peux y revenir plus facilement. En fait. Mais après, tu n'auras pas besoin d'y revenir parce que tu vas conscientiser que c'est toujours omniprésent. Ouais. Pour l'instant, ça passe par là. Mais ce qui est marrant, c'est que tu dis, il n'y a rien à faire, mais j'ai quand même réussi à le transmettre. Donc j'ai réussi à l'expliquer à d'autres personnes. Oui, mais il n'y a personne pour faire ça, donc ce n'est pas toi qui transmets. C'est la conscience, c'est la conscience qui fait. Ouais. C'est la conscience qui fait tout ça. Oui, mais bon, ça peut quand même aider le personnage. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Non, je vois. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, oui. Mais quand même. Quand on croit être quelqu'un, c'est quand même vachement cool. En même temps, jouer à être quelqu'un, c'est bien aussi. Hein. Oui, mais il n'y a pas de problème, on fait, voilà. Mais on s'amuse, on peut s'amuser. Mais comme disait Pierre, mais c'est vachement fatigant quand même. Hein. Bah, quand on se prend dans tout, oui, mais quand on arrive à faire que savourer, c'est trop cool. Voilà, mais là, c'est différent. Là, c'est parce qu'il y a un détachement en même temps. Quand tu savoures, c'est qu'il y a un détachement. Oui, complètement. Il n'y a plus personne. Exactement, il n'y a plus personne. C'est fou, pour rebondir sur l'épouse, elle parle du cœur, et moi j'étais là quand elle a vécu ses expériences, on vit tous les deux ça très très fort, on le vit en couple, et c'est très très beau, et c'est vraiment magnifique. Et donc elle passe par des expériences, je passe par des expériences, donc c'est quand même assez chaotique, c'est très rigolo. Aujourd'hui je peux en rire, mais avant je ne reconnais pas. Donc je comprends tout le monde. Mais ici dernièrement, donc elle me parlait du cœur avant, je ne comprenais pas. Moi j'avais la paix, je comprenais la paix, je suis dans la paix, il n'y a pas de souci. Par contre, j'avais pas ce sentiment de cœur comme cet élan de vie, comme ça. Il manquait ça. Bien sûr, bien sûr. Ici dernièrement, ça fait 3 jours. C'est vrai qu'il y a une période où il y a eu pas mal de réalisations dernièrement. Et il y a 3 jours, en fait, je me suis juste aimé moi-même, donc s'aimer soi-même. Et je me souviens d'une parole de Stéphane Jourdain, je pense que tu vois. Il disait, oui, mais s'aimer soi-même, c'est la base. Il disait, les gens ne s'aiment pas. Et ça m'est tombé dessus comme d'un coup, et je me suis juste, mais aime-toi toi-même. En fait, ça a ouvert le cœur d'un coup, et là, ça fait, je ne sais pas combien de temps, une semaine, un truc comme ça. C'est bien. Non, mais c'est trop bien. Pour en revenir à ça, donc, j'ai vraiment plus de soucis. Si ma vie est toujours telle qu'elle est, il n'y a plus de problème. Ici, il y a encore des problèmes, sinon on s'en fout. Oui, mais ce n'est pas des problèmes, c'est des situations. Enfin, c'est la vie. Mm-hmm. Par contre, ce que je n'arrive pas à. Enfin, il y a quelque chose. Tout se dissout pour le moment. Tout se dissout. Absolument tout. Tout
tout ce qui arrive se dissout dans le cœur. Et ça ne se comprend pas par la tête. C'est je m'aime et ça l'aime et c'est tout. Mais il y a une force du cœur. Alors je ne sais pas si le mot force est faux, mais il y a une intensité de ça qui fait que ça dissout. Mais cette intensité, des fois, peut descendre. Et là, on retombe dans la conceptualisation. Alors, bon, c'est peut-être pas complètement juste, mais c'est ce que je peux percevoir. Parce que si je peux essayer de rattraper des concepts qui solidifient quelque chose et qui vont redonner naissance à toute une sorte d'illusion, en fait, de concepts qu'on croit tangibles, qui ne sont absolument pas. Mais par contre, là, il y a cette force du cœur qui dissout tout. Exactement, c'est ce que je disais. Mais alors, le cœur, c'est... après, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y a de l'amour ? Oui, c'est ça, mais il n'y a plus que ça. Alors après, ça dépend comment c'est vécu. Parce que certains, ils vous disent, ah ben après, il y a tout. Et d'autres, ils disent, après, il n'y a rien. D'autres, ils disent, après, il y a l'amour. Oui. Mais d'autres disent, bah, c'est rien de tout ça. Non. Ça dépend comment vous l'appréhendez, comment vous le vivez, quoi. Mais est-ce qu'on peut le vivre à chaque fois d'une manière différente ? Non, en fait, c'est même pas besoin de le qualifier. Voilà, c'est ça. À partir du moment où c'est qualifié, c'est perdu. C'est une saisie. C'est une saisie. Exactement. Voilà, c'est ça, puisque si vous êtes la conscience absolue, vous n'avez pas besoin de qualifier quoi que ce soit. Il n'y a rien de plus naturel que ça. C'est ce que vous êtes déjà. Ok, merci. Il n'y a pas besoin de qualifier quoi que ce soit, en fait. Non. C'est ainsi. C'est déjà comme ça. Je rebondis parce que je suis en train de m'aimer et parfois j'ai l'impression d'avoir un cœur de pierre. Personne n'a un cœur de pierre. Comme s'il y avait quelque chose de bloqué. Ah, ça, c'est autre chose. Peut-être que, il faut simplement que tu arrives à te souvenir qu'avant tu passais par le cœur. Là, tu l'as peut-être oublié momentanément. Ça va revenir, c'est obligé que ça revienne. Tout le monde a un cœur. Tout le monde, sans exception. Bah oui, forcément. Ça va revenir au fur et à mesure, puisque là, tu dis, ah, là, je suis en train de m'aimer. Donc, tu vois, déjà, il y a le processus, là, tu vois, tu es en train de conscientiser le truc, là. Et ça va se faire, c'est obligé que ça se passe. Parce qu'il y a déjà cette démarche spontanée qui se met en route. Le reste de surcroît va suivre. Comment on parle sur le détachement et ça, ouais. Et comment faire le détachement, ça devient un détachement du cœur. Oui. Tu te détaches, tu n'as plus d'émotion en fait. Ah oui. Ah oui, tout à fait. T'es pas le premier. Plus d'émotion. Alors en fait, c'est pas que t'as plus d'émotion, c'est que tu le vis différemment. Ouais. En fait, tu le vis, j'allais dire quelque part sans commentaire, c'est-à-dire que quand tu passes par le cœur, bah le cœur de toute façon il transcende tout, hein, et le détachement permet justement de ne plus s'identifier aux situations, de ne plus s'identifier aux objets, de ne plus s'identifier à tout ce qui nous vient comme ça, mais simplement l'accueillir tel que c'est. Et on a l'impression, une personne il n'y a pas longtemps qui m'a dit ça, elle disait qu'elle avait l'impression qu'elle devenait en fait indifférente à tout. Et je lui ai dit non, ce n'est pas le cas, c'est simplement que tu le vis d'une façon beaucoup plus globale, beaucoup plus, absolue, je ne sais pas comment le dire en fait, divin, ce que vous voudrez, peu importe, mais c'est beaucoup plus grand en fait, vous le vivez d'une façon beaucoup plus absolue que ça. Et des fois, c'est un peu comme si l'enfant intérieur avait été détruit. Mais il ne l'est pas. L'enfant, il est toujours présent. Il est toujours là, l'enfant intérieur. Et aussi, il y a une question par rapport à chaque fois, l'écoute de soi et des autres. Oui. Par exemple, quand je fais un soin, j'arrive à sortir, même à distance, les blessures des gens et ça. Mais des fois, je me dis, il y a une rectification à. C'est pour ça que. J'arrive à retrouver ça, mais des fois, ça me met dans l'erreur. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour que ça différencie vraiment l'identification et la réelle écoute de la personne? Des fois, ça peut être compliqué parce que ce qu'on va avoir tendance à faire en plus, quand on fait des soins, par exemple, c'est essayer de soulager, de guérir, de calmer ou autre, et on se rend pas compte que même des fois en faisant ça, on peut s'identifier à nouveau. Ah oui, c'est, c'est,
à un truc. Et là, la seule façon pour ça, c'est d'être, de savoir que même en tant que thérapeute, on ne fait rien. En vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui fais. Parce que justement, il n'y a personne. C'est simplement la vie, je vais le dire comme ça, hein, qui passe à travers, voilà, cet être, pour faire ce soin, quoi. Mais ce n'est pas toi. Il n'y a personne aux commandes pour faire ça. Ça se fait tout seul, en fait. Ça, c'est pour éviter. Du coup, là, il va y avoir un tel recul que du coup, t'as moins de risque de te trouver embarqué dans quelque chose ou identifié à quelque chose ou je ne sais quoi. Oui, mais même s'il y a un détachement, tu l'identifies. Donc, tu écoutes pas seulement la personne. Tu l'écoutes différemment. Tu la vis différemment. Mais le problème, ça peut pousser à l'erreur par rapport... Ça dépend si tu es. Si tu passes par le cœur, tu n'auras pas d'erreur en fait. Ouais. Là, ça sera spontané, tu vois. S'il y a une quelconque forme d'intervention, j'allais dire conceptuelle, intellectuelle, là, il peut y avoir parce que ça va interpréter. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut passer par le cœur. Uniquement par le cœur. C'est la seule façon, même pour les soins, pour tout ça. Bah, d'ailleurs, pour tout. Ouais. Pour tout. Hein. Ah, bah ouais, il faut passer par le cœur pour tout. Je voulais savoir un peu dans ta vie peut-être personnelle, qu'est-ce qui t'a aidé à quelque part avoir une certaine foi, par exemple, tu entames une sadhana, mais tu dis ok, je peux rester là 27 ans sur un rocher, je sais même pas s'il y aura quelque chose, c'est un peu un pari, quoi. Quelque part, est-ce que tu as vécu c'est des expériences, qu'est-ce qui finalement t'a donné ce goût? Qu'est-ce qui t'a permis de tenir? C'était déjà là tout petit. En fait. Parce que je me souviens de plein de choses comme ça quand j'étais petit. Et ça me disait, tu vas méditer, tu vas faire ci, tu vas faire là. Déjà tout petit, hein, quelques années. Du coup, je présume, je ne veux pas trop m'avancer, mais que je suis venu avec ça. Enfin, ça me paraît évident parce que sinon, voilà. Et du coup, toutes les choses se sont faites toutes seules, en fait. Voilà. C'est venu au fur et à mesure, étape par étape. Un jour, je me suis levé, j'ai dit, tiens, je vais me mettre à méditer. Je vais voir ce que ça donne. Donc, je ne faisais pas beaucoup, tu vois, 1 heure, 2 heures par jour. Après, je disais, non, il faut que je médite un peu plus. Et comme ça, ça s'imposait à moi. Donc, après 5 heures, 8 heures. Non, parce que après, je me suis dit, quand même, c'est curieux, pourquoi je fais ça et tout ça. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer de lire la vie de certains maîtres spirituels, sages et tout ça, pour voir. Parce qu'il y a un truc, je sentais qu'il y avait un truc, Et du coup, je lis. Je m'aperçois que ouais, certains avaient médité longtemps, d'autres avaient fait des sadhanas de ceci, des sadhanas de cela. Donc, il y avait des choses qui me parlaient, ça fait que confirmer en fait. Mais après, je n'ai plus eu besoin des bouquins, en fait. Je les ai fermés. J'ai mis de côté et j'ai continué en fait. Et toutes les expériences qui venaient, par exemple les tapas, les austérités, ça venait aussi spontanément comme ça. Donc, je suivais, je suivais le cours, hein, de ce qui s'imposait à moi. Je ne me posais pas trop la question. Et il y avait déjà, par contre, tu parlais de foi. Ça, j'ai toujours eu cette confiance et cette foi, je me souviens aussi loin que je retourne, hein, ça a toujours été là. Ce truc, il a toujours été là. J'ai jamais ressenti le fait de faire un effort ou de mettre en place une technique, une méthode pour avoir confiance et foi. Je me souviens, c'était omniprésent, quoi. Et du coup, enfin, je veux dire, toi, tu t'es jamais posé de questions par rapport à ça? Moi, je me suis déjà posé 1000 fois la question. En fait, j'ai l'impression de reconnecter avec un peu la foi, justement, sans doute que je l'avais avant, puis je l'ai perdu. Bah, c'est sûr. Quelque part, mais c'est pour rester là. Mais je veux dire, toi, quand tu interagis avec les gens, j'imagine que tout le monde n'a pas la même foi, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis tout le monde n'a pas la même confiance non plus dans la vie ou dans les. C'est normal. Après, tout ça, ça se. C'est-à-dire, au fur et à mesure de la vie, ça vient, il y a des choses par étapes qui viennent, il y a des rencontres qui se font, il y a des choses qui, des lectures, tout est comme ça, quoi. La vie, elle nous donne comme des messages, j'allais dire, pour se rappeler de tout un tas de trucs. Et du coup, il y a des choses qui deviennent évidentes. Et là, on redécouvre qu'en fait, en vérité, on a toujours eu la foi et on a toujours eu confiance. Sauf qu'il y a une espèce de voile, là, par moment, qui se pose. Et qui nous fait croire le contraire. Mais en vérité, c'est toujours omniprésent. Sauf que momentanément, on l'oublie. En fait, on l'oublie, c'est tout. Hein. Et
quand on en parle là, c'est un rappel. C'est simplement un rappel. Donc forcément, c'est là. C'est obligé que ça soit là. C'est marrant parce qu'en écoutant, je me souviens quand j'étais petite, il y avait une certaine lenteur qui a toujours été présente en moi et des images un peu comme des mandalas qui tournaient en moi et je me réveillais toujours un peu comme si j'avais beaucoup bu. Alors que j'étais petite, j'étais un peu en saoule de mandalas parce qu'il y avait des couleurs et des mouvements. Ouais. Et en même temps, c'est comme si la vie m'a quand même fait ramener très à la vie humaine. Donc j'étais attouchée par mon grand-père, un papa alcoolique, une maman qui consommait de la cocaïne. Ouais. J'ai quitté le Brésil, j'arrive en Belgique, comme tu es. Donc, c'est un peu comme si il y avait une sorte de deux mondes. Oui. Et alors, du coup, je vis après tout ça, ces deux expériences fortes d'ouverture de cœur. Et j'ai l'impression aujourd'hui, en écoutant aussi, c'est comme si j'avais perdu la confiance au corps et à l'humain. Oui, je et c'est comme s'il y avait le côté bon et spirituel. Et le côté mauvais, tout à fait. Est difficile de rayer oui, ça à nouveau. Ben oui. Alors en vérité, ça fait qu'un. Enfin, je veux dire, c'est même pas relié, ça fait un. Sauf qu'en étant passé par certaines épreuves, à un moment donné, évidemment, le mental va s'en mêler aussi. C'est-à-dire qu'il va dissocier les choses. Et il va qualifier les choses en disant ça c'est négatif, ça c'est mauvais, ça c'est ceci, ça c'est cela. Ça c'est positif, ça c'est spirituel, ça c'est ceci, c'est cela. Ben, en fait, ça, à un moment donné, vu que tu as vécu quand même deux expériences d'éveil, ça, c'est, j'allais dire, c'est, ce 1, tu vas le revivre à un moment donné. Hein, parce que ce n'est pas pour rien que tu as eu ces expériences. Donc, ça va revenir, c'est momentané, ça. Hein. Même si ça s'est fait il y a 10 ans, ce n'est pas grave, il n'y a pas de temps en vérité. Hein. Donc, la confiance, elle va revenir, la foi, elle va revenir. C'est obligé, d'ailleurs, elle t'a jamais quitté. Elle sait simplement qu'il y a eu un voile dessus. Mais ça reviendra, c'est obligé que ça revienne. Mais voilà, après, que tu as l'impression que tu n'es pas confiance ou autre, ça ne va pas rester aussi. Hein. Ça va revenir, c'est obligé que ça revienne. C'est toujours la souffrance le moteur de la recherche? Bonne question. Alors, c'est souvent le cas. Et une espèce de saturation aussi mentale, c'est-à-dire que le mental, à un moment donné, quand vous prenez un chemin où vous vous mettez en paix, c'est-à-dire, j'entends par là, vous allez pratiquer par exemple la relaxation, la méditation, l'introspection, etc. Le mental, il a peur parce que du coup, vous n'avez plus besoin de lui. Okay? Donc, il va redoubler d'efforts pour vous amener à une saturation. Et une fois que vous êtes en saturation, ben, vous allez essayer de rechercher à nouveau un espèce de sanctuaire, un lieu, même qui n'est pas localisable, pour connaître la paix. Donc, il y a à la fois cette saturation mentale, mais cette saturation mentale, c'est de la souffrance aussi. Enfin, en général, c'est souvent la souffrance qui amène à ça, très souvent. Avec différentes intensités. Exactement, et avec des scénarios différents. Ça peut prendre n'importe quelle forme, hein. Mais c'est souvent de l'identification, et l'identification aux objets, c'est de la souffrance aussi. Donc oui, ça passe très souvent par ça. On peut dire toujours. Même pratiquement tout le temps. Moi, j'ai justement eu une période où, pas spécialement bien, et j'avais un trop neige, donc j'avais un fort élan pour l'éveil en me disant bah, je veux ça parce que comme ça tout s'arrête, quoi. C'est l'arrêt de la souffrance. C'est... Bah oui. Et puis j'ai travaillé quand même pas mal dans le relatif pour améliorer ma situation, améliorer calmer le mental, etc. Ouais. Et maintenant que je suis dans une situation en fait, où tout va mieux, mais à la limite j'ai l'impression que j'ai perdu un peu cet élan pour l'éveil. Donc j'en reviens presque à beaucoup. Rechercher le mot, c'est peut-être de malaise, en disant, et si ça va bien dans le relatif, ben finalement, Tu sais, si j'ai pas l'élan, ben ça va pas bien. Bah, de toute façon, s'il n'y a pas l'élan, il n'y a pas l'élan. Et de toute manière, si le relatif qui, entre guillemets, s'est amélioré, et que tu es heureux et en paix, c'est parfait. Si c'est accueilli tel quel, il n'y a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit, tu es heureux et en paix. Tu vois, pourquoi rajouter quoi que ce soit, enfin, tu vois ce que je veux dire, ça sert à rien, quoi. Là, tu es heureux comme c'est maintenant, et c'est ça que les sages disent, accepter ce qui est comme c'est. Donc là, c'est parfait comme ça. Peut-être qu'un jour, s'il y a un élan pour l'éveil, bah, tu retourneras, mais pour l'instant, il n'y a pas besoin. La preuve. Moi, j'observe dans les soins que je donne,
des traumas, des choses qui lâchent. Et c'est, chez certaines personnes, c'est comme si le curseur de la conscience augmente. Donc, ils vivent de plus en plus d'amour et d'amour. Des fois, je suis même jalouse. Tant d'amour, mais je ne suis pas jalouse. Mais il y a d'autres personnes où c'est plus. Après, c'est ça que tu dis, en fait. Rien qui fait nous-mêmes, en fait. C'est ah oui, d'autres exactement. Personnes, c'est comme si on continue à libérer les oui. blocages et les traumas, mais le curseur et conscience augmente et quelque chose de vécu dans ce sens-là. Il n'y a personne en plus. Hein, ouais. Toi, je veux dire, quelque part, c'est un outil. Hein, c'est un outil. Ouais. C'est pas toi qui fais les soins, en vérité. C'est la vie voilà, qui fait les soins. En fait, qui fait les choses, tu vois. Et après, chacun le vivra à sa façon. Effectivement, chez certaines personnes qui, à un moment donné, se sentent libérées de tous ces traumas, ces blocages, il y a comme quelque chose qui s'active. Enfin, qui s'active, c'est pour mal le dire, mais que ça devient du hyper-conscience. Et ça peut prendre des proportions, effectivement, très intenses, quoi. Ouais, mais ça, c'est normal. Ça fait partie aussi du jeu par lequel les personnes ça vont passer, tu vois. Ça peut disjoncter au niveau du mental, parce que la personne, à la fois, parfois, elle retraverse son trauma. Oui. Et en même temps, elle commence à me dire, en fait, il n'y a que de l'amour. Et, oui, bien sûr. Bah, oui. Et même un truc d'abus, en fait, la personne, elle rit, elle pleure, on sent que là, ça n'arrive plus à gérer. Mais c'est l'amour qui prend le pas. Enfin, j'ai vu ça récemment avec oui, quelqu'un. Oui, bien sûr. Bah, et en même temps, il faut bien que ça passe par là aussi, pour pouvoir. Puisqu'il n'y a pas moyen de libérer totalement, en vivant par-dessus, il y a l'amour qui apparaît. Ben c'est ça qui va permettre justement d'aller au-delà de cette saturation pour pouvoir libérer totalement justement le trauma. Donc enfin je veux dire c'est bien fait, c'est parfait. Et si tu dis que la conscience, ben voilà, elle joue à ce qu'on réalise notre nature. Ouais. Est-ce que toi qui réalisais ta vraie nature, tu es encore sur Terre en fait? Je ne me dis pas que j'ai réalisé ma vraie nature. Quoi? Et puis il n'est pas là, je suis trop non. Je ne me pose pas toutes ces questions. C'est ça le truc. Non, mais une fois que c'est conscientisé totalement, qu'il y a plus. Ça change rien. Parce qu'au début, tu as dit l'âme, elle vit un tas d'expériences. Mais ça, c'est pour. Ben c'est pour expliquer, parce okay. qu'à un moment donné, tu sais, quand les gens se sentent un peu perdus, il faut passer par des petits chemins de traverse, tu vois, essayer de poser des petits cailloux blancs, parce que sinon, à un moment donné, on est perdu, tu vois. Voilà, mais tu peux très bien avoir réalisé ta nature totale, d'accord, et garder ton enveloppe physique. Ça ne change rien, ça ne change rien du tout. Ça continue à avoir aucun sens, en fait, c'est juste exactement. La vie. C'est juste la vie. C'est ça, c'est juste la vie. Ce n'est pas une question de sens. Ça veut dire quoi, réaliser ton nature totale? C'est ce que disent les maîtres indiens quand ils disent que tu réalises le soi, quoi, en fait. Ouais, voilà. Mais il n'y a pas voilà. C'est réalisé ou ça n'est pas. Oui, c'est réalisé ou ça n'est pas. Il n'y a pas de. Alors, justement, c'est là où intervient le truc. C'est que des fois, on confond l'éveil avec la réalisation. Tu peux avoir un éveil et justement lever le voile et te rendre compte que. Bah, tout ça, c'est une illusion, c'est un monde d'objets, et que tu as l'impression qu'après que le voile est retombé, ouais. Et à nouveau. Peu importe le temps que ça a duré. Exactement, peu importe, ça peut durer quelques secondes, comme quelques jours, quelques semaines. Hein. Alors que quand il y a vraiment réalisation, il y a une assise, justement, ouais. De ce qu'on dit dans le soi, ouais. C'est-à-dire où ça ne bouge plus. Et donc quand tu rêves, tu es aussi conscient. Tu ne rêves plus à partir de là. Tu ne rêves plus. Non, tu ne rêves pas, tu songes. Tu fais des songes. En fait, tu restes totalement lucide. Parce que moi, pour tester, j'ai testé le rêve. Ouais. Et j'ai vu que oui, non. J'ai bien vu que je rêvais. Ouais. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible. Je crois encore que je suis quelqu'un dans mon rêve. Oui. Et donc, ça, c'est un test, en fait. Oui. Exactement. Donc, parce que normalement, quand tu as réalisé ta nature, tu c'est pas un rêve, en fait. Si, c'est du rêve lucide. Tu restes complètement conscient. Tu restes conscient. Le corps dort. Le corps, il dort. Il n'y a pas de problème. Que le corps s'endort ou pas? Oui. Tu vois tout le cycle d'endormissement du corps. Donc, tu entends la respiration forte, l'accélération du pouls, enfin, tous les phénomènes qui accompagnent ça, sauf que toi, tu restes lucide. Ok. Oui. Parce que vous vivez, vous, maintenant, oui. Comme ça oui.
Enfin, je le vivais quand j'étais déjà gamin. Oui. Voilà. Mais et quand je regardais les gens, je les regardais, je disais, bah, tout le monde vit ça déjà. Et les gens, quand je leur expliquais, ils me disaient, non, je ne vis pas ça. Je dis, si, vous vivez ça. C'est... Moi, j'étais persuadé que tout le monde vivait ça. Donc, je me rends. Pour moi, c'était simple, quoi. Et tout le monde me disait, ah ben non, moi, je ne vis pas ça. Quand je dors, je dors. Et nous, quand on vit, qu'est-ce qu'on vit alors? Bah, après, il y a plusieurs explications. Le rêve, ça peut être aussi, et d'ailleurs c'est très souvent le cas, mais on pense que c'est simplement un rêve, c'est des sorties aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous empruntez, et vous savez, il y a tout un tas de corps subtils, hein, d'accord, il y a tout ça, vous empruntez à un moment un de ces corps, et vous vous déplacez suivant la fréquence qui correspond à ce corps sur un plan. Donc, alors certains disent le voyage astral, le voyage mental, peu importe. Comment ouais. Il y a le corps physique qui dort dans le lit, ça c'est, il dort. Et il y a la possibilité à un moment donné, il y a la possibilité de sortir entre guillemets de ce corps avec un corps subtil pour aller se retrouver sur tel ou tel plan. Enfin, bon, c'est un... Et alors, Pour toi, Gérald, tu n'as plus d'émotions? Alors moi, je ne vis pas ça comme des émotions. Tu vis ça comment? C'est difficile à expliquer. C'est comme si qu'il y avait un... Tu sais, je ne me sentais pas concerné. C'est-à-dire que... Tu n'es plus touché par... Ouais, je ne suis pas touché par ça. Enfin, je ne suis pas touché, en fait. Mais ce n'est pas froid non plus. Ce n'est pas une question d'indifférence. Ça n'a rien à voir avec ça. D'accord? C'est que je ne me sens pas concerné en tant que... pour moi, ça, c'est des objets, quelque part. Mais je ne le dis pas d'une façon péjorative, hein, parce que c'est des choses par lesquelles on passe et qu'on doit vivre. J'en ai vécu, hein, des émotions quand j'étais plus jeune. Des moments tragiques, des moments difficiles, etc. Comme tout un chacun. Sauf qu'à un moment donné, avec le travail, d'une façon de dire, hein, la pratique de la sadhana et tout ça, ça a permis de voir les choses vraiment sous d'autres angles. Et de s'apercevoir qu'on n'est pas ça. D'accord ? Mais par contre, on peut l'expérimenter pour comprendre pourquoi c'est là, pourquoi ça prend cette forme, pourquoi on le vit. Ok, ça c'est ok. Et à un moment donné, on s'en détache totalement parce qu'on est, n'est pas concerné par ça, parce que justement, nous sommes cette conscience. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on sent une émotion forte et qu'on est très touché? Bah déjà, ce qui est important, c'est pas être dans le déni. Parce que des fois, on peut être dans le déni en disant non, je sais ça. Non, c'est ok, il y a ça qui se présente, c'est accueilli tel que c'est. C'est-à-dire tel que il semblerait que je la vive, c'est-à-dire des fois avec des difficultés à gérer, pas se sentir bien, se sentir mal et tout ça. C'est ok que ça soit vécu comme ça. Ça, c'est la première étape. Hein. Et à un moment donné, après, on peut plonger plus dedans, d'accord, et voir pourquoi on vit ça, en observant les choses d'une façon plus profonde. Pourquoi je vis ça? Donc, c'est toujours retourner vers soi. Oui. Parce qu'on a souvent tendance, enfin j'ai souvent tendance à pointer l'autre. Ouais, mais ça tout le monde le fait, on le fait tous. On le fait tous. Ça. Et quand je suis très réactive, je monte vite en colère et puis... On prend beaucoup les choses personnellement, donc du coup... Et ça doit être accepté aussi. Oui, c'est les premières étapes. C'est dépend de notre fait, de notre volonté. Exactement. C'est pour ça que c'est... Ce qui est important, et c'est une étape importante, c'est d'accueillir déjà cette émotion-là. Elle vient, elle se présente. Bon, ok, elle est là. Bah oui, je le sens bien qu'elle est là. Elle déclenche ça dans mon corps. Il se passe ça dans ma tête. Donc là, après, on peut aller plus loin. On peut plonger plus en profondeur en disant, bah, pourquoi je vis ça? Est-ce qu'il y a un rapport, par exemple, avec mon enfance, avec mes parents, avec ou une autre situation, peu importe. Tu vois, ça, c'est les premières étapes. Et à un moment donné, progressivement, on va dénouer, la problématique. Et quelque part se détacher de plus en plus, c'est-à-dire ne plus se sentir concerné par ça. On l'est au départ quand on ne trouve pas de solution du pourquoi, du comment, les tenants et les aboutissants, mais à un moment donné, une fois qu'on a compris et conscientisé, on n'en a plus besoin, on s'en libère. Donc ça pointe toujours avec quelque chose qu'on a vécu avant. Par exemple, oui. Ou une croyance hein, même qu'on peut avoir. Hein. Des fois, on croit des choses dans l'enfance, des fois, on a pu croire que nos parents ont fait des fois des choses, des fois ils ne l'ont pas fait, hein, ou des fois ils nous ont dit des choses, et c'est nous qui l'avons interprété en tant qu'enfant, et ça a été suffisant pour à un moment donné créer quelque chose qui s'est cristallisé, mais vraiment, et puis ça ne paye pas de mine, hein, parce qu'on ne s'en rend pas compte sur le coup. C'est après, en vieillissant.
Et on voit bien que ça a un impact. Ça a un impact sur notre pouvoir décisionnaire, ça a un impact sur nos relations, ça a un impact sur nos échanges. Mais on ne le voit pas au début, hein. On est enfant. C'est en grandissant. Donc c'est bien d'accueillir tout ça et de... Et c'est à partir de l'accueil qu'on va pouvoir dénouer les choses. Et non pas le rejet ou le déni. C'est impossible, si on est dans le déni et le rejet, on ne peut pas régler les choses. C'est à nouveau le cœur qui va... Exactement, et le cœur va aider à ça. Il aidera à ça, bien sûr qu'il va aider à ça. Il y a beaucoup de travail, le cœur, mais il sait faire. Mais il n'arrête pas. Mais il sait faire. Quand tu parles des étapes de pas de déni, etc., oui. Mais... moi, enfin, la voix que j'ai, c'est une voix qui est un peu de paresseuse. T'as le droit. Je me suis dit, bah, je vais laisser la vie faire. Et on verra bien. Exactement, tu peux. Mais par contre, voilà, donc si par exemple, il y a un déni, il y a le déni. Oui. Bah, pour aller à la prochaine étape, comme tu viens de dire. Si je décide que je laisse la vie faire, je ne vais pas aller forcer si je n'ai pas envie d'aller voir. Exactement. Je ne vais pas forcer. Mais juste, j'ai confiance qu'à un moment donné, ça voudra aller voir. Tout à fait. Bah, si tu as suffisamment la confiance et la foi dans ça, bah, ça se fait. Je veux dire. Maintenant, si tu penses ou tu as un doute qu'il y a un déni, il faut y aller. Il faut aller voir de quoi il en retourne. Mais si tu n'as pas du tout, j'allais dire, ce ressenti qu'il y a un déni et que vraiment le cœur te dit bah, « Non, moi, je laisse faire parce que j'ai confiance dans ça. » Ça va se faire tout seul. Tu n'as pas besoin de forcer les choses, quoi. Mais s'il y a un doute, je dois. Oui, ben voilà, s'il y a un doute, alors justement, s'il y a un doute, ça peut être important d'aller regarder, observer ça, pour voir de quoi il en retourne. Est-ce que quelque part, ah oui, effectivement, il y a quand même peut-être un déni, ou alors, ah non, je ne le ressens pas, il n'y a pas de déni en fait. En fait, c'est naturel, c'est simple. Ce discernement, il va venir en plongeant dedans, pour clarifier les choses. Mais le moment plongé, ça viendra quand ça viendra aussi. Exactement. Tout à fait. Bah oui. Ouais. Bah oui, puisque les choses, elles fonctionnent spontanément. Okay. Et que tu ne peux pas forcer les choses. C'est ça le truc, justement. Tu ne peux pas forcer les choses. Tu parlais tantôt du détachement, ouais, émotionnel que, ouais, que tu ressens. Et alors, du coup, je me pose la question, parce que toi, il me semble que tu es quand même assez, ouais, impliqué dans le monde aussi. Ouais. Notamment à travers ton association, oui, qui vient en aide aux plus démunis. Oui, oui. Et je me dis, parfois, en fait, finalement, ressentir la souffrance des autres oui, est un moteur, ou la colère peut être, oui, un moteur, justement, oui, pour pouvoir se mettre, oui, en action, pour pouvoir, quelque part, tout à fait. Voilà. Oui. Et donc, j'essaie de... Donc, je me dis, ok, tu as créé cette association, oui, mais pas du tout sur une base d'une motivation. Enfin, quelle est, juste comment ça se passe? Ben, en fait, cette création d'asso, elle m'est venue spontanément. Oui, mais c'est ça, ça vient alors spontanément. Elle m'est venue spontanément. C'est pas genre, je vois quelqu'un qui est dans la grande souffrance. Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je dis, ah bah tiens, j'en parle avec un de mes neveux, et je lui dis, bah tiens, il faut créer une association. Alors lui, il me regarde, il me dit, bah d'accord, tonton, mais c'est enfin... Est-ce qu'il y a un thème précis? Est-ce qu'il y a une raison? Ben, il me pose des questions, quoi. Parce que, voilà. Et je lui dis, ben, non, mais si ça peut aider les gens, ok, c'est ce qui me vient spontanément. Comme ça. Et du coup, ça a été aussi simple que ça. C'est comme ça qu'elle s'est faite, ouais, l'association. Donc, Charles aussi. Comment? Aussi. Oui, ben, pareil. Donc, ça n'empêche pas d'être quelque part impliqué dans le monde, je vais dire, bien sûr que bien sûr de l'extérieur. Oui, non. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne change rien. Ouais, à partir du moment où vous êtes toujours conscient d'être, c'est-à-dire ça ne change rien, je suis toujours conscient d'être. Donc, je peux m'amuser aussi à m'impliquer dans le monde. Ça ne change rien. Et puis, de toute façon, dans cette incarnation, ça a toujours fonctionné comme ça. J'ai jamais su faire autrement et ça m'a valu aussi des problèmes même avec ma propre mère qui me disait je travaille pour t'acheter des fringues neuves et tu les offres aux plus démunis. Et je n'ai jamais su fonctionner, je ne sais pas fonctionner autrement. Enfin, en tout cas, on s'est dit c'est comme ça. Donc ça se fait comme ça. Bon, effectivement, ça a l'air de se diriger vers les plus démunis. Ça a l'air de prendre ce chemin-là. Ben, voilà. Mais ça se fait spontanément. Mais ce n'est pas une résonance, par exemple, voilà, j'ai vécu ça. Je veux corriger ça dans pas du le tout. Monde. Ah non, je ne suis pas du tout là-dedans. C'est ça, oui, mais c'est ça. Parce que... Non, parce qu'on est le sauveur de rien, on n'est pas là pour tu vois, améliorer le monde, on n'est pas là pour ceci ou cela. Non, on n'a rien à voir avec tout ça. Hein. Ouais. Les choses, elles se font spontanément.
Et c'est comme ça qu'il faut les accepter. Faut accepter que les choses puissent être aussi simples que ça. Ouais, elles ont toujours été simples comme ça. Donc, du coup, je ne me posais pas trop les questions. L'élan arrivait, j'en parlais à droite, à gauche, aux principaux intéressés. Et c'est vrai que souvent, on me posait la question, mais d'où ça vient cette idée? D'où ça vient ce projet? D'où ça vient? J'en sais rien. Ça vient spontanément. Pardon, vous me posiez la question quand même de savoir si c'était bien ou pas bien? Non, je ne me suis pas posé la question. Il y a eu l'élan, j'ai dit, allez, en avant. Je ne me posais pas la question du bien ou du pas bien. Je ne sais pas si c'est chouette, mais je fonctionne comme ça. Est-ce qu'on peut avoir un élan du cœur et ne pas le suivre parce que notre mental nous dit alors, non, non. Bonne question. Oui, mais en même temps, si on ne suit pas l'élan du cœur, ça signifie aussi quelque part que c'est comme ça aussi que ça devait se vivre. C'est très paradoxal, mais c'est comme ça aussi. Donc il y a quelque chose à voir. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de culpabilité. Exactement. Exactement. Mais chaque être va évoluer. Bah, dans le monde, mais c'est une question qui est à attendre, bien sûr, mais dans le monde phénoménal, avec l'histoire, comme je disais tout à l'heure, des corps différents et des âmes qui incorporent des corps différents suivant les existences, naturellement, il y a comme une forme, quelque part, de conscientisation, d'évolution, de compréhension qui semble se faire. Oui, ça, mais c'est le monde phénoménal. Pas évolué. Non. À un moment donné, tu sais, comme dirait je ne sais plus quel sage, tout. Oh, il y a de l'expérience quelque part là. Oh, il y a du vécu. Tu sais, comme disait je ne sais plus quel sage, en fait, tout retourne à sa vraie nature, donc tout retourne à sa source. Tu sais, même les méchants, ils retournent à leur source. Hein. Ah ben oui, ben ça. C'est comme ça. Tous, à un moment donné, finissent par comprendre. Tous. Ouais. Même les plus terribles. Pas toujours comme on voudrait. Hein. Ben oui, je sais. C'est ça, le problème. Ben, je sais bien. Ben, ouais. C'est ça peut-être qui peut être le problème. On peut dire que le seul obstacle, ce sont les croyances, et que quand elles sont toutes vues, la paix se révèle. Exactement. Et c'est ce que disait Manon Damaï. Lorsque tout est vu par ceux qui voient tout, il ne reste plus rien à voir. Et en fait, c'est ça. À part les croyances, il n'y a rien. Ben oui. Le reste, tout ça, c'est la même chose. Hein. Dès qu'il n'y a plus aucune croyance d'identification aux croyances, et les croyances, elles peuvent toucher à tout. Aux objets, à tout ce qui est possible. Donc, et inversement, ça veut dire que s'il reste une seule croyance, la paix ne peut pas se révéler. Il y aura quand même une identification à un objet, effectivement, même avec une croyance. Et oui. Exact. Et donc, quand tu dis c'est maintenant, en fait, pour nous, pas vraiment, parce que s'il y a un voile, c'est pas possible. Et pourtant, si, c'est maintenant. Parce que votre vraie nature, elle est maintenant. Et je ne parle pas de l'instant présent. Je parle de maintenant. Et quand on dit que l'humain est le seul à pouvoir avoir conscience d'avoir conscience, oui. Mais moi j'ai une question quand même. Je me pose. Mais il n'y a pas que sur cette planète, il doit bien y avoir dans l'univers d'autres planètes, d'autres systèmes, oui, sur lesquels c'est possible aussi dans d'autres formes. Yes. En général, dans les satsangs, on ne rentre pas trop dans les histoires de planètes, d'autres civilisations, mais je ne peux pas te dire non, parce que ça ne serait pas juste quelque part. Mais oui, effectivement, bien sûr. Bah oui, naturellement. Bah oui. Croire, et ça peut être une croyance, que simplement, là je parle simplement de cet univers observable qui est que les humains, sur leur petit caillou, là, à travers l'univers, ça c'est très prétentieux. Hein. Ah oui. L'instant présent, maintenant. Ouais. Ben, l'instant présent, c'est du temps.
instant présent. C'est une temporalité, c'est qualifié comme du temps, tu sais, comme le passé, le présent, le futur. Alors que maintenant, si je te demande où commence maintenant, où finit maintenant, tu peux pas me dire. C'est maintenant. Voilà, exactement. Donc, tu vois, il n'y a pas de temps, en fait. On ne sait pas. C'est pour ça que les sages ont plus tendance à dire maintenant. Quand, comment ça s'appelle, Eckhart Tolle, on a traduit son bouquin dans les pays francophones, on a mis le pouvoir du moment présent. Et en anglais, le vrai titre, c'était The Power of Now. D'accord ? Donc, maintenant. Que tu parles d'Eckhart Tolle, moi je voudrais revenir à votre Eckhart. Je veux dire, c'est très semblable. Enfin, il y a des choses qui se rejoignent, qui se rapprochent en disant lui aussi, il n'y a rien à faire. Exactement. Et tout recevoir comme c'est. Exactement. Ils l'ont toujours, tous les maîtres l'ont dit depuis des millénaires. Hein. Ils disent tous, vous avez l'impression que vous faites. Mais en fait, vous ne faites rien. En fait, non. Tout advient comme ça, spontanément. Ils demandent de tout accueillir aussi. Exactement. Même ceux qui ne pouvaient pas. Tout à fait. Bah oui, et de part égale, avec une équanimité. Exactement. Exactement. Équanimité totale. Bah oui, tout à fait. Il n'y a rien à faire pour être. Bah oui, il n'y a rien à faire pour être. Parce que avant de faire quoi que ce soit, vous êtes déjà. Donc il n'y a rien à faire. Est-ce qu'il y a des moments qui sont plus favorables ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'il y a des choses ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'il y a presque un peu comme une flamme avec une allumette ? Est-ce qu'il y a le moment où l'allumette va toucher et que la flamme apparaît ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il faut ? Moi, je te dirais non. Même s'il semblerait que des fois, quand on observe les choses, il y a une configuration et on se dit. Ah là, c'est favorable. Là, c'est parfait pour vivre ça ou ça. Moi, je répondrais non. Ça, puisque c'est spontané. Donc, ça se fait quand le soi met ça en place. Et que, je vais le dire comme ça, et qu'il décide que la réalisation soit maintenant. Quoi. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de configuration plus qu'une autre. Puisque c'est spontané. Il n'y a pas de rapport. Exactement. Par rapport au raccourci, je rebondis juste sur Pierre, la semaine dernière ou la semaine avant, le moyen le plus rapide justement pour arriver à cette réalisation, c'est le chant des mantras. C'est ce que les Indiens C'est une des voies. Ben, il dit que c'est vraiment la plus rapide. C'est une des voies, je suis d'accord avec lui, c'est une des voies. Ben, oui, parce que vous saturez en fait le mental. Et du coup, ça l'amène sur une répétition d'un nom, d'un mot ou d'une phrase. Et ça met de côté, j'allais dire, tout le reste des mots qui sont fabriqués par le mental constamment, nuit et jour. Et ça reste uniquement focalisé dessus. Donc à un moment donné, ça va aider à la transformation de ce qu'on appelle la qualité des pensées. C'est ça qui va se passer. Et le mental va changer de lui-même. Et c'est là où il se met au service, le mental. D'accord ? Pour le dire comme ça. Donc le mantra est effectivement une voie, j'allais dire, très très efficace pour arriver à la réalisation. C'est clair. Mais c'est pas la seule. Mais ça peut être une croyance aussi, ça. De quoi ? Ben, de croire à une voie. Non, mais il y en a plein des voies. Oui, mais on peut en faire un objet. Ah ben carrément. De recherche. Carrément. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal d'enseignants qui disent suivez tel enseignant ou tel enseignant parce que c'est la meilleure voie et la plus rapide. Ça, c'est une illusion. Ça, c'est complètement une illusion. Il n'y a pas de voie plus rapide ou de meilleure voie ou de meilleure technique ou d'approche. C'est la voie qui vous correspond dans cette existence, dans cette vie que vous suivez par un élan spontané qui vous dit eh ben, je vais prendre cette voie, ce chemin-là. Et c'est parfait pour vous, en tout cas à ce moment-là. Donc, effectivement, ça peut être une grosse croyance de dire ah, ben, il y a une voie ou ceci. Ça peut l'être. Oui. Mais du coup, est-ce que par exemple. Je pense que oui, mais. Le fait, par exemple, tu
parles du mantra qui va écarter justement le mantra, mais est-ce qu'au contraire, lire des textes permet ça aussi? Ça pourrait le faire. Il y a plein de voies possibles, hein, puisque même la voie de l'érudition, elle peut permettre justement à un moment donné de réaliser aussi le soi. Donc tout est possible. Toutes les voies sont possibles. Ça dépend comment on emprunte le chemin. Si vous empruntez le chemin avec une saisie sur ce que vous faites, effectivement, vous êtes dans l'objet. S'il y a une non-saisie, mais que vous suivez l'élan, de, par exemple, de lire des ouvrages, je sais pas, spirituels, par exemple, ou autres, oui, ça peut vous amener, effectivement, peut-être à une réalisation, une libération. Mais ça peut aussi faire l'effet inverse. Ça peut vous enfermer dans l'écriture, dans la lettre. Mais en même temps, toutes les voies sont possibles. Hein. C'est-à-dire, elles peuvent toutes mener à qui vous êtes. Hein. Toutes les voies sont possibles. Et on peut même en changer, j'allais dire, sur le parcours. On peut emprunter tel chemin, pratiquer un, puis prendre une autre voie, puis prendre une autre voie. Il n'y a pas d'interdiction. Voilà, et c'est bien comme c'est. Est-ce que l'illusion, c'est se prendre pour l'apparent monde manifesté? C'est se prendre pour l'apparent monde manifesté. Quelque part, oui. Comment tu parles de l'illusion, toi? Ben un peu comme ça aussi. Je veux dire, croire en ce que, parce qu'on le voit, parce qu'on le sent, parce qu'on le goûte, parce qu'on entend des sons, ben, c'est vrai. Ben non, c'est qu'une apparence. Il ne se passe rien. Ben oui. Et puis ça va au-delà de tout ça. Ça, c'est que l'apparence. Ça, c'est que des objets. Si à un moment donné, on enlève l'apparence de l'objet, ben, qu'est-ce qui reste, qui ne bouge pas? Ben, le soi. Sauf qu'on va avoir tendance, parce qu'on s'identifie déjà au corps, on s'identifie à un mental, à vouloir interpréter les objets. Donc on les interprète tels qu'ils sont, tels qu'on les voit, tels qu'on les touche, etc. Donc du coup, on les voit en périphérie, en surface. On ne voit pas au-delà de la forme. Et c'est ça, en fait, qui est dit par les sages. Aller au-delà de la forme. La forme de l'objet, elle est simplement là pour, quelque part, pour jouer à... j'allais dire, à attirer l'attention, entre guillemets, pour jouer à l'attention. Et une fois que vous avez joué à l'attention, la surface de l'objet disparaît. Vous n'en avez plus besoin. C'était fait uniquement pour orienter. Et à partir de là, bah, s'il n'y a plus d'apparence d'objet, il y a ce qui est permanent, qui ne bouge pas, etc. C'est ça. C'est ça dont parlent les sages. Et revenir au cœur, ça permet de défocaliser les objets. Exactement. Peut justement permettre ça, alors que le mental, ça peut faire tout le contraire. Mais le cœur, oui, peut permettre de... Mais c'est pas le but, de revenir au cœur pour défocaliser les objets. Bien sûr que c'est pas le but. Puis, en vérité, fondamentalement, ce que vous êtes déjà être, il n'y a pas de but non plus, puisque vous êtes déjà ce que vous êtes. Et quand tu dis que les cinq sens donnent des interprétations, moi, il y a l'expérience, notamment par le toucher, qui mène à l'absolu, en fait. Ben oui, mais ça... Donc, c'est aussi pour moi une voie. Oui, mais ça signifie en fait que on a l'impression que c'est le toucher en lui-même qui t'amène à ça. Mmh. On a l'impression que c'est le toucher. Et en fait, c'est pas le toucher, c'est simplement que tu reconnais à travers cet outil l'absolu. Mais c'est même pas le toucher en lui-même. C'est comme quand tu vois des fois, tu vois un paysage que tu vas trouver magnifique. Tu vois, une rivière qui coule, une cascade, enfin, le soleil, voilà, plein de choses. Et là, tu te dis, oh, c'est incroyable, c'est magnifique. Mais en fait, c'est même pas ça qui est vécu. C'est simplement le soi que tu vis au-delà de l'apparence de ce qui t'est présenté. Ça, c'est uniquement pour, comme je disais tout à l'heure, poser l'attention de façon à ce que tu ailles au-delà de la forme. C'est la même chose avec des choses qui ne nous plaisent pas nécessairement. Donc, si on va au-delà de la forme, on peut voir l'absolu. Et bien sûr. Mais c'est plus difficile. Pas forcément. Non, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend ce que vous avez à vivre. Ça dépend, en fait. Mais ça peut le faire avec tout. Ça peut le faire vraiment avec tout. Moi, je pourrais vous citer plein de cas de gens... je sais pas, j'ai des amis qui sont retrouvés dans un moment donné dans une espèce d'agression... dans la rue, et ça allait finir en bagarre. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a fini plus ou moins en bagarre, mais pas vraiment. Et à un moment donné, un des principaux protagonistes, là, a dépassé la forme, en fait, de l'agression. Il a été au-delà
de la forme que ça prenait. Pour lui, c'était plus, à un moment donné, c'était plus une agression, et ça a été une illumination pour lui. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, l'objet, il sert à dévoiler ça, à dévoiler le fait qu'il y a le soi derrière tout ça. C'est juste magnifique. Oui. Tellement beau, quoi. Du coup, il n'y a même plus de questions à se poser. Mais dans les différentes choses qui viennent d'être dites, donc la personne se fait agresser, elle voit au-delà de ça. Ouais, c'est-à-dire qu'en même temps, sur le coup, elle voit que c'est une agression, donc elle le vit comme une agression sur le coup. Sur le coup. Ouais. Et à un moment donné, il se passe quelque chose, elle a dû se connecter au cœur, et ça lui a permis de dépasser le niveau de l'agression, elle est passée au-delà en fait, de ça. Et elle a, au lieu de le vivre comme étant un truc hyper négatif, hyper violent, elle a, au bout d'un moment, et d'ailleurs ça a fait fuir les gens qui agressaient, elle l'a vécu autrement, c'est comme si qu'elle avait pris du recul, tu vois, comme si qu'elle s'était détachée en fait de la scène, c'est-à-dire qu'au début elle est concernée par ça, puisque c'est elle qui est agressée, donc elle est forcément concernée en tant que personnage, et à un moment donné elle dépasse le truc, tu vois, elle va au-delà, et elle sait même pas comment, hein. Ça vient... Mais ce que je ne comprends pas, c'est cette nuance entre le monde réel, ou justement le monde qu'on crée, etc. Mais alors quel est l'intérêt de créer ça? Enfin, il n'y a aucun intérêt. On parlait tout à l'heure d'abus, etc. Et je me dis, mais alors pourquoi est-ce qu'on crée ça? Il n'y a pas en fait d'intérêt derrière ça. Alors pourquoi? Alors, il n'y a pas de pourquoi non plus. Je comprends. Non, mais c'est OK, je comprends parce que quelque part, tu vois, le mental, là, va avoir besoin d'une raison. Il faut une raison. Je sais. Oui, je sais, mais j'ai compris. J'ai bien vu. Je suis là, c'est que exactement. Mais j'ai ça me paraît tellement loin. Oui, mais c'est normal. Parce que tant que tu croiras que c'est ça qui a raison et qu'il y a toutes les solutions, alors justement, donc, alors mets ça de côté. Si tu le mets de côté et que tu passes par là, ce que je disais tout à l'heure avec le cœur, il n'y a qu'avec le cœur que tu vas pouvoir le comprendre. Autrement, tu ne peux pas le comprendre. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu vas dire, mais il y a un mais sens. Mais pourquoi ça se vit alors? Ça se vit pour pouvoir justement dépasser la forme, pour que tu puisses voir ce qu'il y a derrière, en fait. Ce qui est derrière, qui est caché. C'est un peu le cadeau, tu vois. Il y a un cadeau derrière. Oui, oui, mais même si on voit un peu le cadeau, on est quand même ici. C'est vrai. Oui, quelque part, tu es quand même ici, mais faut que tu dépasses un petit peu le ici, parce que sinon tu vas rester uniquement dans cette forme, alors que tu as autre chose qui est derrière. Ça fait peur. Ah, ça peut faire peur. Je comprends. La chose que j'ai entendu, ça, j'entends bien. Et tu n'étais pas la seule à l'avoir dit en satsang. Il y a des gens qui disaient, oui, mais moi, ça, quand je... C'est-à-dire, je sens que je pourrais aller voir, mais il y a quelque chose qui me retient. Ouais. Et j'entends bien. Mais c'est la souffrance de souffrir, hein. Oui, exactement. Bah, déjà parce que tu... À un moment donné, tu ne sais pas ce qui t'attend. Voilà, c'est ça. Jusqu'où est-ce que ça va aller? Exactement. Quelle tendance ça va prendre? Exactement. La forme que ça va prendre, ouais, etc. Ouais, bon, mais ça, j'entends bien. Mais ça, si t'arrives... Alors déjà, le truc qui est très simple, c'est que quand tu me dis... Ouais, ça crée une peur quand même, une appréhension, tu vois, j'anticipe le truc. Tout lâcher, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que ça va me mener? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça va m'amener? Voilà. Mais déjà, là, la question, c'est qui te dit ça? Ton mental. Exactement. Et c'est des lâchers, mais tout le monde. Ouais, mais... Qui a sorti ça? Mais voilà. Qu'on m'explique. Ben voilà, là, ça devient intéressant. C'est le mental, effectivement, qui vous raconte ça. Ben oui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te dit que tu es obligé de l'écouter? Personne. Voilà, on est d'accord. Tu n'es pas obligé de suivre tout ce qu'il te raconte. Et c'est là le truc. Là, ça devient intéressant. Ben oui. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ah. Nous, chercher. Moi, je pensais que j'avais déjà évolué, mais quand j'entends les filles, je suis en train de Tu sais, t'inquiète pas, il n'y a pas de niveau. Hein. Non. Mais c'est ça. Tout le monde, il n'y a pas de niveau. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Il y a des gens qui, à un moment donné, se sont rendus compte. C'est le ressenti de chacun. Exactement. Il n'y a pas de niveau. Tu sais, moi, ça fait plus de 37 ans que je fais des satsangs, que je dis à chaque fois, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de hiérarchie. Il faut arrêter de croire ça. On est comme on est et on en est là où on en est. Et c'est pas grave. Ah, parce qu'on a toutes des expériences différentes. Bien sûr, bah, tu vois bien. Tout le monde vit des choses différentes. Ah ouais.
Oui. Ben oui. Ouais. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il sortira grandi. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Par contre, le mental va te le dire. Le mental va te dire, ah, peut-être que tu peux avoir peur. Et pourquoi? Ben, je ne sais pas, mais tu peux avoir peur. Ben oui, lui, il voilà, va te raconter ça. Hein. Ben, ça en fait. Parce qu'en plus, tu ne sais même pas pourquoi. Alors, faut m'alerter avec ça, tu ne sais pas pourquoi. Ouais. Ça, c'est le mental. Le mental, il fonctionne vraiment comme ça. Et en même temps, il attire l'attention sur lui. Parce que quand tu commences à aller au-delà du mental, au-delà de la forme, lui, il a l'impression, le mental, qu'il va mourir. Et du coup, il ne va pas te laisser faire. Il va en rajouter une couche, et une couche, et une couche. Mais donc, la question du sens, enfin, je pense que tout le monde s'est posé la question, c'est quoi le sens de ma vie? Oui. On se dit, je vais donner une fonction ou une mission. Ça, c'est clairement alors le mental qui te... Non, mais je veux dire... Enfin, c'est Ramana Maharshi, quand on lui disait, ben, je ne connais pas le sens à ma vie. Il dit, ma vie, quelle vie? Il n'y a pas de vie. Et vous avez une vie? Ou quand on lui disait, mais ben, et les autres là, et il y a tous les... L'autre? Quel autre? Il n'y a pas d'autre? Alors pour occidentaux, je ne vous dis pas, hein, pour les occidentaux, quand ils entendaient ça, c'est un peu compliqué. Mais quelque part, c'est juste ce que je dis. Le seul sens, alors, ce serait de réaliser sa nature. Mais ce n'est pas un sens. Ce n'est pas un sens. C'est simplement vous rappeler. Oui, exactement. Vous vous rappelez que vous êtes déjà ça, parce qu'en vérité, vous êtes déjà ça. Mais qui va se rappeler de ça? Il n'y a personne. Très bonne question. Mais c'est comme revenir au cœur, si c'est déjà le cœur, ben comment est-ce qu'on va... Ça, c'est tout seul, en vérité. En fait, quand je dis revenir au cœur, c'est simplement pour vous indiquer une orientation, c'est tout. Après, c'est vous qui voyez... Comment ça peut se faire? Mais ça se fait tout seul, effectivement. C'est pour poser un peu, comme je disais tout à l'heure, des petits cailloux blancs, tu vois, parce que des fois, on peut ne pas comprendre. Si je rentre directement et que je parle à partir de l'absolu, on ne va pas s'en sortir. Je vous le dis tout de suite. Mais moi, c'est ce revenir au cœur que je ne comprends pas. En fait, tu es déjà dans le cœur, sauf qu'il y a des moments où tu oublies ce truc-là, alors que c'est hyper simple. Tu vois? Mais tu es déjà dans le cœur, en fait. Et donc, quand je dis revenir au cœur, c'est donc, vous c'est rappeler... Ça... que vous êtes déjà dans le cœur. Rappelez-vous-en. C'est pour ça que je ne comprends pas, en fait. C'est un rappel. Okay. Parce que des fois, tu as l'impression qu'il n'y est pas dans le cœur. Oui. Tu vois, c'est ça. Donc, rappelez-vous que vous y êtes déjà, en fait. C'est un rappel. Mais pas un rappel intellectuel. C'est pas ça dont je parle. Un rappel comme, c'est évident, oui, bah oui, je suis dans le cœur, c'est évident. Tu vois, un rappel comme ça. Donc, un rappel sans effort. Oui. C'est ça dont je parle. On peut dire porter l'attention. Le fait que c'est déjà là. Oui, mais sauf qu'à un moment donné, l'attention, elle va amener à une cristallisation d'objets. Et avec le mental, dès qu'il y a des objets, le mental, il a tendance à s'en emparer. Hein. C'est aussi, il fonctionne comme ça, donc faut trouver plus simple. Le mental a besoin de reconnaissance tout le temps. Mais il ne sait pas faire autrement, en plus. C'est pas qu'il... Il est construit comme ça. Ben oui, sinon, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on se met à méditer, à suivre une sadhana, on a de moins en moins besoin du mental. Et le mental, il a l'impression qu'on le met de côté. Qu'on veut pas on veut pas s'en servir, on veut pas l'utiliser. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir rester vivant? Parce qu'il a l'impression qu'il va disparaître, il a l'impression qu'il va mourir. Il va essayer d'accentuer son action sur vous, en redoublant de pensées, en vous inventant plein de scénarios, pour vous dire, rappelle-toi que je suis là. Et en fait, c'est ça le problème avec le mental. C'est qu'il essaye de se mettre au centre des choses. Mais... Non. Est-ce qu'il y a moyen de le rassurer presque en disant exactement. Je serai autant reconnu dans la paix et dans l'amour? Alors, oui, on peut, là, il peut être rassuré, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il peut être pacifié et à un moment donné, il va suivre le chemin avec vous. Quoi. C'est-à-dire qu'il ne va pas se mettre en opposition. Ça ne va pas créer de dualité. Et ça va être OK. Donc, quelque part, c'est l'accueillir aussi. Exactement. C'est un accueil aussi du mental, tel qu'il est. Mais sans vouloir ni le changer, ni le transformer. Il est comme il est, mais vous n'êtes pas obligé. C'est là que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Rien ne vous oblige à suivre totalement ce que raconte le mental. On a l'impression, et par une habitude, j'allais dire, de fonctionnement, on se sent obligé de le suivre. Mais c'est faux.
On n'est pas obligé de suivre tout ce que raconte le mental. Bah oui, mais on a appris ça pendant des années. Mais tout le monde, on est tous passés par là. Mmh. Et puis c'est comme ça depuis des millénaires. Mmh. On croit que quand le mental raconte des choses, que c'est vrai et que c'est totalement vrai. Mais non. Et non. Si je crée un mantra, je n'ai pas besoin de suivre mon mental. Ça pourrait marcher. Pourquoi pas? Je suis le cœur. Ouais. Mais ça, ça peut être un bon mantra. Ben oui. Oui, je suis tracassé un peu pour le moment par la guerre en Ukraine et tout oui. ça vient. Et comment alors utiliser ce que vous dites pour que ça agisse moins sur mon mental? Ben déjà, alors, ok, il y a la guerre en Ukraine, d'accord. Il y a probablement d'autres conflits qui vont arriver aussi. Ce ne sera pas le seul, ni le premier, ni le dernier. Mais en te sentant, j'allais dire... quand je dis pas concerné, c'est pas indifférent, c'est pas de ça dont je parle. C'est ton personnage en fait que tu joues au quotidien qui va s'intéresser à ça quelque part, avec le mental qui alimente, ça c'est clair. Dès que tu te replaces, là on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, dès que tu te replaces dans le cœur déjà, c'est plus la même chose. Tu appréhendes vraiment ce truc-là différemment, c'est-à-dire tu peux avoir de la compassion, de l'amour, de la fraternité aussi, pour le fait que bah, quelque part on aimerait bien que ça s'arrête aussi, enfin, il y a plein de gens qui vont dire ça. Mais du coup, avec cette prise de recul, tu vas te sentir moins concerné. Ça ne veut pas dire que tu ne penses pas, j'allais dire, aux Russes, aux Ukrainiens. Mais du coup, tu seras moins touché, moins impacté dans ton quotidien. Parce que ça concerne que des égos, en fait, tout ça. Ça ne te concerne pas toi, fondamentalement, qui es, être, je parle. Hein, voilà. Donc, c'est là-dessus qu'il faut revenir. C'est impératif. Sinon, on n'y arrive pas, en fait. Sinon, on reste complètement dans le processus. Alors, on se dit, tiens, il faudrait que j'aille aider ou que je fasse ceci ou qu'on ouais. agisse sur le plan terrestre. Ouais. Quand se fait ce déclic ou pas? Ouais, bah ça, on ne peut pas le savoir, hein, parce que justement, il est spontané, ce déclic. Donc, des fois, le déclic, il apparaît. On s'y attend même pas. Et des fois, il n'apparaît pas. On ne peut pas le forcer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est impossible de le forcer, quoi. Il vient ou il ne vient pas. Puis, des fois, bah... c'est peut-être un autre déclic qui va se présenter, non pas aider, mais peut-être simplement prier, ou je ne sais pas, ou autre chose. Parce... Ah, okay. Bon. On ne peut pas savoir à l'avance si tu veux, tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Ça vient comme ça spontanément. Quoi. Le problème, c'est que si ça ne vient pas, on va se culpabiliser que ça ne vient pas. Alors, c'est marrant parce que quand tu poses des choses comme ça, on dirait que ça fait un peu catégorique. Hein, tu vois c'est obligé que ça va passer par là, ou alors on a l'impression qu'il y a du métier et que tu es habitué à fonctionner plus ou moins comme ça. Non, je rigole. Blague à part, oui, effectivement, assez souvent ça fait ça. Mais tu n'es pas obligé de croire à ce fonctionnement-là. Hein. Tu peux aussi tourner le dos à ce fonctionnement. Oui, moi je le sais, peut-être. Mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas et qui vont mourir dans la culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait au bon moment. C'est pas grave ça. Ça c'est pas grave. Comme disait une amie, comme disait une amie, on est de toute éternité. Hein. Oui voilà, c'est pas maintenant. Ce sera... Exactement. On est de toute éternité, donc c'est pas plus grave que ça en fait, tu vois. Mais c'est... moi je l'entends, le... c'est pas plus grave que ça. Voilà. Mais bon, les... bah, après c'est autre chose. Les autres c'est autre chose. Mais ça viendra à un moment donné. Tout le monde passe par la compréhension. J'allais dire profonde de qui l'on est. C'est tous sans exception. Pour ça, je disais, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de niveau. Il ne faut pas croire parce que certains êtres, à un moment donné, réalisent leur nature, que ça n'arrivera pas à tous les autres. Tout le monde, pareil, c'est sur le même piédestal. Tout le monde, c'est pareil. Peut-être que dans, sur un plan entre guillemets relatif, tout en sachant que ouais. d'accord avec ce que tu dis au niveau absolu, c'est de ramener la ligne et de voir cette guerre en Ukraine comme le voisin qui m'emmerde parce qu'il parle trop ou qui fait un acte ceci, c'est de ramener la ligne et de voir quel est le cadeau dans ce qui m'emmerde et d'aller chercher, ou alors même dans les blessures sexuelles, toutes choses, le plus gros
cadeau qu'on a peur d'aller visiter parce que c'est la plus grosse peur qu'on ait, il y a toujours un cadeau énorme derrière. Enfin, il y a le toujours, plus gros cadeau derrière. Il y a toujours en tout cas un message derrière. Il y a forcément un message derrière. Voilà. La vie, elle te présente. Je veux dire, la vie, elle ne vous présente pas des moments qualifiés de difficiles, de compliqués, de souffrants pour le simple fait de vous pourrir la vie. Hein. Je veux dire, ça. Non. Non, c'est qu'il y a forcément quelque chose à comprendre derrière. Et donc, sur le plan relatif, si vous voulez avoir une action, c'est d'assainir toutes les colères ou les identifications qu'on peut avoir. En tout cas, voir de quoi il en retourne. Voilà. Où est la racine de tout ça? Est-ce qu'il y a une racine? Etc. Mm-hmm. Oui, bien sûr. Excusez-moi, est-ce que vous avez peur? Non. On m'a posé la question l'autre jour. Du coup, c'était... Ah, je ne pourrais pas te dire. On s'est trouvé dans une configuration un peu bizarre dans la rue. Justement, et... c'était extrêmement tranquille, ça n'a pas été le cas de mes amis. Mais en fait, la situation qui devenait, je ne dirais pas dangereuse, mais plutôt très, très tendue. Et comme les amis avaient de plus en plus peur, je leur disais, mais calmez-vous, parce que ça ne sert à rien, quoi. Et en fait, ça s'est inversé. La situation s'est inversée. Mais auquel personne s'y attendait aussi. On ne s'attendait pas du tout à ça, tu vois. Moi, je ne me posais pas la question, je disais, mais arrêtez d'avoir peur. Vous êtes aussi quelque part en train presque de générer une possibilité de « c'est possible ». Alors que c'est possible aussi que tout se passe très très bien. Vous n'avez jamais peur. Voilà. J'ai eu peur quand j'étais gamin, voilà. Enfant, adolescent, etc. Mais à un moment donné, je ne crois plus à ça. Il y a une croyance derrière ça. Je ne dis pas qu'on ne va pas vivre des situations qui pourraient générer à un moment donné une peur, mais ça dépend comment tu l'accueilles, ce truc-là. Si tu l'accueilles comme étant pas une peur pour toi ou que ça te touche pas de la même façon que ça t'aurait touché, j'allais dire, quand t'as pas compris que c'est une illusion, parce que c'est une illusion quelque part aussi. Voilà. C'est des scénarios, c'est des illusions. Exactement. Bah oui, c'est des scénarios, voilà, par lesquels on passe. D'accord. Bah, c'est exactement ça. Mais vu qu'il y a encore le corps, tu n'as pas, il n'y a pas quand même un réflexe, je vais dire archaïque, je sais pas quel mot faut mettre, du corps, instinctif du corps, ça, alors, par rapport à une mort possible. Alors ça, ça dépend de l'élan, parce que des fois il y a un élan. L'autre jour, par exemple, il y a eu une agression dans le wagon, dans le RER que je prenais, d'un type qui s'est mis à tirer les cheveux d'une dame, spontanément. Je vais le dire comme ça pour essayer de démystifier le truc. Voilà, c'était un peu étrange, d'accord. Sur le coup, il n'y a rien qui se passe. Et puis la deuxième fois qu'il le fait, mon corps a fait un bond pour aller directement vers lui, pour l'attraper, mais je n'ai pas eu le temps de l'attraper, il était déjà parti du wagon. Je peux pas le décider, je savais même pas avant que ça se fait comme ça, quoi. Mais au niveau du ressenti, alors. Bah, à l'intérieur, ça rigolait. Ça rigole. Ouais, à l'intérieur, en ça rigolait. Le corps ne perçoit pas les émotions, en fait, elle est directement. À l'intérieur, ça rigolait. Et la pauvre dame, dit-on là. Aïe, la pauvre. Bah, elle s'y attendait pas, elle s'est fait tirer la tignasse. Comme ça. Ouais. Et vous alliez faire quoi, en fait? Aucune idée. Je ne me suis pas posé la question. Le corps a bondi pour attraper le type. Je ne me suis même pas posé la question. Je ne me suis pas questionné. C'est du tout. Spontané. Ah oui, ça s'est fait spontané. Spontanément, ça s'est fait. Le gars, il s'est dit, je vais me faire attaquer par ces mecs. Mais du coup, le mec, en 2-3 enjambées, il était déjà sur le quai. Donc, du coup, je n'ai pas pu attraper. Hein. Et ça s'est fait comme ça. C'est aussi. On peut, je veux dire, ça peut être peut-être un... C'est pas un réflexe pour moi archaïque. C'est simplement un élan à un moment donné. Parce que la première fois qu'il a tiré les cheveux de cette dame, il ne s'est rien passé, mais le deuxième, ça a été dit. Oui. 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 Ah, est-ce que ce n'est pas tout le temps comme ça, où tout arrive de soi-même? Exactement, bien sûr. Chez toi, mais chez tout le monde. Chez tout le monde. Bien sûr, c'est tout le monde pareil. Pour ça que je dis qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de niveau. Bien sûr. Ben, carrément. C'est carrément comme ça. Même si... Quelque part, le mental nous fait croire autre chose. Ben non. Non. Y a-t-il une différence entre l'ego et le mental? Alors, d'après les sages, oui. Il y en a un, c'est une espèce d'agrégat de croyances, de personnalités, etc. Enfin, en gros, parce que c'est un peu plus... voilà, on peut aller plus loin quand on décrit l'ego. Et le mental, c'est vraiment... un système basé sur tout ce qui est la construction de formes et de pensées. D'accord? Ok? Voilà. Avec des thèmes, avec tout ce que vous voulez. Mais les deux sont ensemble, hein, en fait.
ça travaille complètement ensemble, en binôme. Et du coup, bah, ça fait une seule et même entité, quelque part, j'allais dire, pour mal le dire. Et pour l'âme et la conscience, c'est la même chose. Alors, d'après les sages, il y a une différence. Enfin, il y a une nuance, je vais dire comme ça, il y a une nuance. L'âme serait comme un, ce que je disais tout à l'heure, comme un médium, c'est-à-dire un intermédiaire entre ce qui semble être le monde manifesté, donc le monde tangible, d'accord, et la conscience absolue. Voilà. Mais quelque part, c'est pareil. C'est, en fait, tout ne fait qu'un, en vérité. Est-ce qu'il y a une évolution d'une vie à l'autre, au niveau des réincarnations? On ne régresse pas? On pourrait. Oui, enfin, on peut jouer tout un tas de rôles, hein, d'une incarnation à l'autre. Oui, donc il n'y a pas... Non. Non, a priori, non. Et puis, pareil, d'après les enseignements qui est dit, c'est que ça démarrerait, il semblerait, à l'incarnation minérale, végétal, animal, humain, et puis après ça va. Il y a certains qui disent supra-humain, machin, truc. Il y a plein de trucs, quoi. Tu vois. C'est assez vaste. Mais bref, on peut croire à ça, mais on peut ne pas y croire. Hein, ouais, ça change pas grand-chose. C'est pas voilà. Mais il semblerait que l'âme, c'est-à-dire une individualisation d'âme, donc des âmes différentes. Leibniz, le philosophe, il appelait ça des monades, en fait, d'accord, donc des âmes. Passe d'un corps à l'autre, et à partir de là, il y a une compréhension qui se fait pendant l'incarnation. Et donc, du coup, il y a comme des informations qui resteraient ancrées quelque part, et qui font que ça permet à l'âme une certaine évolution, une certaine compréhension. Voilà. Oui, il semblerait que ça se passe comme ça. Oui, tout à fait. Pour parler de l'âme, est-ce qu'on peut parler de ça comme un genre de réceptacle, par exemple? Oui, pareil. J'ai perçu un moment quelque chose, il y a longtemps, je me suis dit, tiens, ça ressemble à l'âme, mais c'était quelque chose d'extrêmement enfantin. Bon, maintenant, ça n'a vraiment plus aucune importance, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de très enfantin qui simplement percevait les choses. Ouais. Et puis, mais il n'y avait pas de jugement ou quoi que ce soit, c'était comme quelque chose de... Ouais, mais c'est ça, c'est le cas. Ouais, okay. C'est le cas. C'est le cas. Ouais, on peut le dire comme ça. Ben oui, carrément. Mais ça reste phénoménal. Ben oui. Même si c'est du phénoménal très subtil, parce que l'âme c'est très subtil, d'accord. Donc c'est pas pareil. Les sages considèrent pas l'âme comme un objet, un simple objet, d'accord. Ils la considèrent quand même comme quelque part un objet, mais un objet très subtil. Voilà. C'est comme les corps subtils par rapport au corps physique. La différence, non? Oui, on pourrait le dire dans ce sens, dans ce sens-là. Mmh. Ouais. Ouais. Mais vous, quand on parle de réincarnation, que vous quittez votre mental et tout ça, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas très sorti, vous basez sur ce que les sages ont dit. Non, mais quand je prends les sages comme exemple, là, c'est simplement pour vous donner un exemple que c'est dit depuis très longtemps déjà comme ça, et que c'est transmis comme ça. Mais le vécu, il est là, j'ai vécu des choses. Donc je parle aussi de choses que qui sont conscientisées. Bah oui, bah oui, bien sûr. Là, c'est en plus le coup des sages, c'est en plus. Mais c'est scientifique. Ils ont mesuré beaucoup de choses maintenant. Oui, ils ont réussi à. Bah, c'est grâce aux nouvelles technologies, hein, d'accord. C'est vrai que ça avance de ce côté-là aussi. Le niveau scientifique, c'est bien aussi d'amener cette approche scientifique, parce que là, maintenant, au-delà des mots, il y a quand même des scientifiques qui étudient tout ça. Même s'ils n'en parlent pas trop, ils le font quand même, parce qu'il y a quand même une interrogation là-dessus. Oui, mais dans cette région aussi, je pense au temple, où le professeur Moraes, où tous les mois, ils vont chez les lamas, les étudier et tout ça. Ouais. Dans notre région, en tout cas, on en... Ouais. Bah, tu sais, il y a aussi plein de scientifiques dans le monde occidental, en fait, qui se réfèrent aux textes indiens anciens, d'accord. Et c'est marrant parce que... Exactement, c'est pour ça. C'est super intéressant de mettre le scientifique... Ah bah carrément, scientifique et mystique. C'est génial. Ça fait penser à la
connaissaient pas, ils étaient pour 4-5 jours tout seul dans la foule et qui étaient suivis par les. Après, ils ont discuté avec les scientifiques et les scientifiques étaient sur le cul. Ah bah, ils étaient sur le cul parce qu'en fait, les Indiens Kogi, quand ils sont venus, ils ont un ressenti très profond et ils ont décrit vraiment le lieu en expliquant tout ça. Et les scientifiques disent mais comment vous savez ça quoi? Ils disent bah, on est en connexion avec tout quoi. Donc du coup c'est pour ça que cette connaissance elle nous vient spontanément quoi. On n'a pas besoin d'y réfléchir. C'est et les scientifiques eux, ils sont obligés de passer par des outils et tout ça, mais ça revient en même. Ça revient en même de toute façon. Pour les personnes plus qui ont besoin d'être d'avoir des chiffres et tout ça. Exactement. Parfois, c'est bien d'amener ouais. Ben, y a certaines personnes qui peuvent pas faire la transition. Donc, effectivement, des fois, il faut passer par une approche scientifique et après, ça les mènera à quelque chose d'autre. Exactement. Ouais, tout à fait. Ben, ouais. Complètement. Parfait. Super, merci.